Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos auditeurs de la chaîne Amtrou TV, le média, la chaîne panafricaine. Merci encore à ce jour de jeudi de nous avoir choisi pour cette émission, l'émission religieuse avec nos représentants, ou nos frères chrétiens, catholiques et évangéliques aussi. Le même sujet, comme vous l'avez constaté, nous sommes toujours sur ce sujet, la divinité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ selon les livres de Dieu? Nous allons en parler avec nos frères ici. Et d'abord, nous allons commencer à les présenter. Bonsoir à vous, Monsieur Jean Awasa. Bonsoir et merci de répondre à cette invitation de la chaîne Amtrou TV Le Média. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup à vous. Et la deuxième personne est de Israélite. Frère Awasap, bonsoir à vous et merci de répondre à cette invitation. Yawasap. Yawasap, excusez-moi. Yawasap, merci de répondre à cette invitation. Shalom. Alors, la troisième personne est d'Évangélique. Monsieur Le Lion, bonsoir à vous et merci de répondre à cette invitation. Merci bien à vous aussi, soyez soignés. Et la dernière personne, vous le connaissez déjà, de la DDR, les fondateurs de ce mouvement de la Dawa en Côte d'Ivoire, Oussa Diané. Bonsoir à vous et merci de répondre à cette invitation. Merci beaucoup, Amtrou TV, le média. Bonsoir à tous les invités et le peuple malien, la population de Bamako vous salue. Alors merci beaucoup à tous, et c'est très important, les émissions religieuses, nous allons parler selon les livres, les auditeurs auront le temps aussi de vous poser des questions, et chacun de vous aura 5 minutes pour montrer les textes dans les livres de Dieu sur la divinité de Jésus-Christ. Mais pour tout commencer, nous allons passer cet honneur à notre frère Le Lion. Bonsoir à vous et merci d'être là, et le sujet est très important, monsieur Le Lion. La divinité de Jésus-Christ, les livres parlent souvent de cette divinité. Et aujourd'hui, vous avez décidé de venir répondre à cette invitation en nous disant qu'il existe, oui, des textes ou des passages qui prouvent cette divinité de Jésus-Christ. Vous avez 5 minutes, allez-y, on vous écoute. Donc, pour tout commencer, déjà, j'ai béni le Dieu véritable et la vie éternelle, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin, celui en qui il n'y a aucune omnipotence, qui a tout pouvoir dans les cieux et qui a son nom au-dessus de tout nom. Jésus de Nazareth, il est au carrefour de toutes choses et c'est lui qui est le maître incontestable des temps et des circonstances. Alors, je crois que ça fait quand même un bon moment qu'on entend nos frères musulmans faire des débats, sur des débats concernant la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, alors que leur propre livre, le Coran, est bien situé. Et leur propre livre, le Coran, les enseigne réellement tout ce que la Bible a déjà relaté. Car Amos 3, verset 7 nous dit ceci, que Dieu ne fait rien sans révéler ce qu'a accepté les prophètes. Alors, ces prophètes-là, qui sont la bouche de Dieu, par qui Dieu a parlé, Dieu a prévu des choses à venir. Et Dieu a tout expliqué et sa parole descend pour que nous puissions, nous les croyants, croire en sa parole, mais pas pour discuter avec sa parole. Et le Coran vient 600 ans après. Et écoutez très bien ce que dit le Coran. Dans la sourate 3, ayat 3, le Coran dit que il a fait descendre sur toi, parlant de Muhammad, le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Ce qui veut dire que le livre descendu avant le Coran, c'est bel et bien la Torah et l'Évangile. Et le Coran même si c'est dans la sourate 3, ayat 3. Et il a fait descendre sur toi la Torah et l'Évangile, qui doit confirmer le Coran. Alors, qu'est-ce que doit confirmer le Coran dans la Torah et dans l'Évangile? Et le Coran ne s'arrête pas là. Le Coran va jusqu'à dire à nos frères musulmans, dans leur propre livre, dans la sourate 10, ayat 94-95, si, je paraphrase, hein, si vous avez des doutes sur ce qui vous a été descendu du ciel, ce n'est pas la peine de inventer. Ce n'est pas la peine de polémiquer. Mais ce que le Coran vous conseille, allez vers ceux qui lisent le livre révélé avant le vôtre pour prendre conseil avec eux. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un journal. Donc, pour cela, je demande à nos frères musulmans
de revenir à la raison, de croire et d'écouter et de respecter les propres livres afin qu'ils puissent savoir la vérité réellement. Parce que le Coran leur dit que Jésus de Nazareth, il est pur. Surat 19, ayat 19. Or, il n'y a que Dieu seul qui est pur. Le prophète Mohammed n'est pas pur. Dans la Surat 48, verset 1 à 2, demande pardon pour tes péchés. Sois sérieux, un tant soit peu. Alors donc, nos frères musulmans doivent prendre en conciliation les livres et respecter les livres, parce que dans nos livres respectifs, il y a ce qu'on appelle la notice, qui est la loi à respecter pour que nous puissions aller vers la vérité. Dans la vie associative, si on ne respecte pas les règles et les lois, c'est la débandade totale et c'est l'anarchie totale. Donc, le livre, le Coran, à la Sourate 11, verset 1, est très clair. Le Coran dit à nos frères musulmans, parce que je vais d'abord revenir, je vais d'abord les regarder d'abord. Parce que depuis fort longtemps, on entend parler nos frères musulmans, ils utilisent beaucoup la Bible et ils laissent de côté leur propre livre. Alors que leur propre livre leur conseille d'aller lire, d'aller vers ceux qui lisent le livre révélé avant le vôtre. Regardez un peu, je vais lire une écriture. La Sourate 5, ayat 44. Qui dit que, je paraphrase, hein, pour aller vite, qui dit que dans la Torah, il y a guide et lumière. Il vous reste 20 secondes, allez-y, ouais. Voilà. Et dans l'évangile aussi, il y a guide et lumière. Alors que le guide représente ici, dans la spiritualité, le berger. Et la lumière, c'est la vérité. Donc le Coran dit que dans les deux livres, il y a la vérité et il y a le guide. Or le guide, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le bon berger. Et la vérité encore, c'est Jésus encore. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Je vais conseiller à nos frères musulmans de revenir à la raison et d'écouter, de respecter les livres et de croire à ce qui est écrit et de pouvoir ensemble converger entre les deux livres pour prendre les points essentiels et pour reconnaître effectivement que la parole de Dieu n'est pas une parole à laquelle on doit discuter. Elle descend pour qu'on puisse croire en elle. Et si tu es croyant, tu dois croire en elle. Et si tu n'es pas croyant, alors vraiment, tu es un mécréant. Tu n'es pas le bienvenu dans la lecture des écritures spirituelles. Je vous remercie. Merci, monsieur Le Lion. Merci à vous. On va maintenant passer à Oussa Diané. Oussa Diané, il y a aujourd'hui des textes qui vont parler, des textes qui vont nous expliquer cette divinité de Jésus-Christ. Vous venez de l'écouter tout à l'heure. Quelle réponse avez-vous à nous dire sur ce sujet? Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Muhammadun ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Excusez-moi. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam wa qala al-Masih ya bani Israil ubudu Allaha Rabbi wa Rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alayhi al-jannah. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, le fils de Marie, alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur, quiconque associe à Allah d'une divinité, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu pour les injustes, pas de secoureurs. Surat 5, 72. Je salue tout le monde sur le plateau. Si on est là pour prouver que Jésus-Christ est Dieu encore, ça veut dire, jusqu'à présent, il n'est pas encore Dieu. Hein? Donc, les débats vont continuer. Nous sommes en 2022. Ce débat-là, il y a des siècles, peut-être près d'un siècle où les gens en parlent. Ou bien demi-siècle que les gens en parlent. Il est Dieu, il n'est pas Dieu, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Mohammed est pur, Jésus n'est pas pur, Jésus est pur. Bon. Je pense que Dieu n'a pas besoin de tous ces détails-là. Vous savez, les chrétiens sont incapables, ils seront incapables, ils ne pourront jamais démontrer que Jésus-Christ est Dieu jusqu'à la fin du monde. Je vous répète, pour peut-être pour la énième fois encore, est-ce que vous allez voir un jour des chrétiens assis prendre uniquement le Coran, prouver dans le Coran que Allah n'est pas Dieu dans le Coran? Bon, peut-être un jour on les verra, moi je souhaite ça. Parce que n'importe quelle sourate du Coran, on prend, ça va les prendre. Mais pourquoi c'est toujours la Bible? C'est parce que Jésus n'est pas Dieu, ça. Il n'a jamais dit, s'il avait dit l'éternel, on ne serait pas en train de débattre ici tous les jours.
Voilà, tu dis oui, Allah a parlé de la Sourate 3, verset 3. Oui, Allah a parlé de la Sourate 3, verset 3. Allah ne parle pas de la Bible, Allah parle de la Torah et l'Évangile. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Effectivement, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que l'Éternel Dieu a donnée à Jésus-Christ. Mais le même Allah qui a donné l'Évangile à Jésus, là, Allah, lui, il est qui? Et puis lui, il, en tant qu'écrit, il donne l'Évangile à Jésus. Tu lis le Coran, Sourate 3, verset 3. Oui, tu dis que l'Évangile a été donné à Jésus. Qui lui a donné l'Évangile? On est en train de prouver que Jésus est Dieu, non? Oui, qui lui a donné l'Évangile? Oui, Jésus est lumière, Allah est lumière. Jésus est pur, Allah est pur. Jésus est premier, il est le dernier, Allah est le premier. Ça, c'est à l'église, ça, frère. Hein? Ce n'est pas dans un débat où les doués d'intelligence sont assis. Écoute, voilà, tu as dit Sourate 10, 94, on n'est qu'à les demander aux gens du livre si on ne sait pas. D'accord. Je viens te demander dans la Sourate 25, verset 1 dans le Coran. Allah dit Muhammad sur la salam a été envoyé à l'humanité tout entière, à l'univers. Il faut m'expliquer, Sourate 25, verset 1. Tu dis si on ne comprend pas, on vient te demander. Moi, maintenant, je viens te demander dans le même Coran, Sourate 3, verset 49 à 50, on dit Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. On devait te demander, non, il vient te demander. Voilà, tu dis oui, bon, voilà, tu dis moi, Jésus est pur, machin. Frère, viens te montrer dans la Bible que même Job 33, verset 9, Job dit, je suis né sans péché, je suis pur et je suis né sans péché. Jésus n'a jamais dit ça. Bien que pour nous, les musulmans, tous les prophètes sont purs. Si tu veux rentrer dans la purité, de ceci, cela, non. Allons droit au but, est-il Dieu ou pas? On se retrouve peut-être pour la troisième fois, le lion. Avec Jean Wassa, ça fait la deuxième fois. L'un d'entre vous, ni le lion, ni Jean Wassa, pourront pas démontrer avec les textes bibliques. Pour démontrer que Jésus est de là, ce n'est pas le Coran, lion. Ce n'est pas le Coran. Si tu rentres dans le Coran, tu vas te faire prendre. Il faut laisser le Coran. Va dans la Bible. C'est là-bas qu'on peut prouver, peut-être essayer de voir si Jésus est Dieu ou pas. Mais dès que tu touches un verset, ça te prend. Dès que tu touches un verset de la Bible, ça te prend. Vous serez tous d'accord avec moi. Il n'y a pas une phrase dans la Bible, Jésus-Christ a dit noir sur blanc, je suis Dieu. Ça n'existe pas. Si ça existe, d'introduction, dans l'introduction, l'un de vous me donne ce verset-là, clair, noir sur blanc, où je dis, je suis Dieu. S'il vous plaît. L'un de vous n'a qu'à me donner ce verset où Jésus dit noir sur blanc avec sa bouche, je suis Dieu. Noir sur blanc, textuellement. Si vous trouvez ça, c'est fini. On arrête l'émission. Si vous ne trouvez pas, bon, on va rentrer maintenant dans le showtime, quoi. Et puis, on va vous donner, Inch'Allah, quelques enseignements sur qui est le vrai Dieu. Dieu n'est pas un être humain selon la Bible. Hein? Il n'est pas fils de quelqu'un. Jésus est Dieu pour vous. Sa maman, sa belle-marie. Jésus est Dieu pour vous. Il est mort sur la croix pour vous. Jésus est Dieu pour vous. Il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Jésus est Dieu pour vous. Il était médicé. Jésus est Dieu pour vous. Jésus, c'est quoi ça? Hein? Et vous, tout ce que j'ai dit là, c'est biblique. Hein? Jésus était charpentier. Marc chapitre 16, Marc chapitre 6, verset 1, suite. Dieu charpentier. C'est un prophète. C'est un envoyé de Dieu. Un puissant envoyé de Dieu que nous, les musulmans, respectons. Voilà, je pense que il n'y a pas grand-chose à dire. Tu veux prouver la divinité de Jésus? Donnez-moi, Jean Wassa, Lyon, une phrase de la bouche de Jésus-Christ, noir sur blanc, je suis Dieu. Je veux ça, simplement. Si vous ne le trouvez pas, ayez l'honnêteté de dire non. Ce mot-là, noir sur blanc, n'existe pas. Mais voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Puis on va avancer, Inch'Allah. Merci beaucoup, Oussa Diadé. Merci à vous. On va maintenant repasser à notre la troisième personne, M. Jean Awassa. Vous avez 5 minutes et on vous écoute. Bonsoir à tous les auditeurs, à mes frères débatteurs. Merci. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Au Seigneur Esprit Saint, viens vraiment ouvrir l'esprit des frères Oustaz et Oustaz Diané et tous ceux qui ont ce débat. Pour découvrir ta divinité. Amen. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais commencer par Jean parce que c'est très simple. Alors, au commencement était le Verbe, et ensuite, par rapport à la question qu'a posée mon frère Oussané, on lui répondra par la suite. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Jean 1. Tout fut par lui, et sans lui, rien ne fut. 1 Jean 3. Et je prends 1 Jean 14.
Le Verbe s'est fait et a campé parmi Jérusalem. Hein. On a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de l'appareil, s'il vous plaît, Monsieur Jean Awassa? Comme une Monsieur Jean Awassa. Monsieur Jean Awassa. Monsieur Jean Awassa, est-ce que vous pouvez vous éloigner? Ah là là. Bible de Luc second. On a du mal avec. Vous m'entendez pas? Non, on vous entend pas. Est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de l'appareil? En fait, on a quelques coupures là. M'éloigner. Oui, c'est la connexion qui bug. Mais on va revenir tout à l'heure pour gagner plus de temps. On va revenir tout à l'heure avec vous. Restez connectés, on va revenir tout à l'heure avec vous. Alors, on va écouter notre frère... Je vous entends. Allô? Moi, je vous entends. Oui, mais on a du mal à vous entendre. On a du mal à vous entendre. Oui, on a du mal à vous entendre. Allez l'écouteur alors. Allez l'écouteur, s'il vous plaît. On va essayer de voir si ça peut aller à 100 écouteurs. Vous l'entendez? Allô? Vous n'entendez pas ce que je dis? Allez-y maintenant, parlez, parce qu'avec l'écouteur, ça, on n'entendait pas. Allez-y. Alors, je disais que j'ai cité donc Jean au chapitre 1, verset 3. Et maintenant, je cite Jean, chapitre 1, verset 14. Et que je viens de citer. Est-ce que vous avez débranché l'écouteur, oui, monsieur Jean Awassa? Est-ce que vous avez débranché l'écouteur? Ah là là, j'ai insisté. Vous m'entendez? J'ai insisté. Mettez l'écouteur, parce que là. Mettez l'écouteur, ça ne va pas. Mettez l'écouteur, on va. Parce que là, ça va détruire l'émission. Et du coup, il fallait une bonne connexion. Parce que c'était très important. On va maintenant passer d'abord à Monsieur Yawasap, cette divinité des yeux. Oui, on va revenir tout à l'heure avec vous. Restez connectés. On va revenir tout à l'heure avec vous. Monsieur Jean Yawasap, cette divinité de Jésus-Christ, vous ne le croyez pas. Et pourquoi? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu selon vous? Et selon les livres? Shalom à mes frères israélites et se rattachés à la maison d'Israël. Et aux étrangers qui souhaitent se rattacher à la maison d'Israël. Shalom. Shalom aussi aux frères musulmans qui sont les plus proches de la maison d'Israël. Et je dis un shalom aussi aux chrétiens, ceux qui sont encore enfermés dans cette doctrine. Je suis le frère Yawasap. J'ai passé plus de 40 ans dans l'église catholique romaine. Esclave de l'église catholique romaine. Torturé dans mon esprit, dans mon cœur et dans mon âme. Yah, c'est-à-dire Dieu, m'a fait grâce en me délivrant de ce lien. Maintenant, c'est mon devoir de dire aux frères chrétiens, l'enseignement que vous recevez dans l'Église catholique, dans l'église de l'église où il y a les pasteurs, c'est un enseignement qui est diabolique. Faire de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est une abomination, mes frères. Donc, vous pouvez faire des attaques si vous voulez. Moi, je vous dis que c'est une abomination. Pour commencer, je vais vous citer quelques versets avant de commencer. Il faut être très attentif à ce que je veux dire. Je ne parle pas du frère musulman parce que lui est toujours attentif à tout ce que vous dites. Là, je parle au frère chrétien. Soyez attentif au verset que je veux citer. N'ignorez pas ce que je veux vous dire. Nous allons prendre 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends sans censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant.
car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détournant l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Jean 18, verset 20. Yoshua leur répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. » Vous comprenez? Rien dit en secret, seulement quand il parle en parabole pour ses disciples. Jean chapitre 15, verset 22 à 24. Il ne serait pas coupable, verset 22 seulement, il ne serait pas coupable de péché si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Vous comprenez, mes frères chrétiens, vous n'avez aucune excuse pour vos péchés. De faire Yahushua le Dieu, créateur du ciel de la terre, c'est une abomination. Jean chapitre 13, versets 16 à 17. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si un apôtre ou un disciple dit le contraire de ce que Yahushua Mashiach dit, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous devons le mettre de côté. D'abord le maître, et ensuite on écoute les apôtres. Si un apôtre dit le contraire de ce que Yahushua dit, je le mets de côté. Luc chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. La Bible dit semeur. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Si un apôtre dit le contraire de Yahushua Mashiach, il n'est pas bien formé, il ne peut pas être son vrai disciple. Ou sinon, c'est Satan qui parle à travers lui en ce moment. Je vais vous donner deux exemples pour comprendre ce que je veux dire par là. Deux exemples dans avec Pierre, l'histoire de Pierre. À un moment donné, Pierre lui dit, je vais vous donner ces versets-là pour bien tomber là-dessus. Désolé. Deux exemples. Alors écoutez bien. Nous allons prendre Matthieu chapitre 16, versets 17 à 23. Et 23. Yoshua, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Vous voyez à quoi je fais allusion? Et dans le même passage, au verset 23, mais Yoshua se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale quand tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc si vous dites le contraire de ce que Yoshua dit, ce ne sont pas ses pensées, ni les pensées de notre Créateur. Donc ça vient du diable et la pensée des hommes. Deux exemples de Pierre. Shalom à vous. Merci à vous. Merci. C'est très, ça a été très riche, très bref aussi. Mais peut-être, on ne sait pas si Monsieur Jean nous entend encore. On va tenter avec lui. Je pense que la connexion de Monsieur Jean va nous retarder un peu. Mais à la fin, peut-être, on serait obligé de lui faire attendre. Monsieur Le Lion, vous venez d'écouter tout à l'heure les textes qui parlent aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce que vous venez d'entendre? On vous écoute. Alors, je remercie encore tous ceux qui sont connectés et je demande à Dieu de pouvoir ouvrir leur esprit pour pouvoir comprendre aujourd'hui de quoi nous allons parler. J'ai entendu tout à l'heure mon frère Diané dire que oui, machin, on n'est pas dans, je sais pas quoi, Jésus est pur, Jésus est machin, Jésus est... Mais attendez, vous croyez que cette malignité-là, nous allons toujours écouter ça? On est fatigué de toujours écouter la même musique. Jésus, il est pur. S'il est pur, qui, il est qui? C'est ça que nous voulons savoir. Parce que on peut pas venir dire oui machin que Jésus-Christ de Nazareth, on dit qu'il est pur, on dit oui machin, il a fait ceci, et comment dire, mais puis on passe dessus. Je répète encore pour une fois encore pour que les gens puissent mieux comprendre. Le Coran dit que nos frères musulmans là, dans leur propre livre là, s'ils veulent comprendre les Écritures là, ce n'est pas la peine de dire des choses qui sortent de leur tête.
car la parole de Dieu, elle est codée. Ce n'est pas par la chair qu'on explique la parole de Dieu. On leur a dit ça toujours. 1 Corinthiens 2, 11 à 16 est très clair. 1 Corinthiens 2, 11 à 16 dit ceci, que personne ne connaît la pensée de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît la pensée, les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le Coran dit à nos frères musulmans, écoutez-moi très bien, aujourd'hui, j'ai déjà dit que nos frères musulmans, si effectivement ils sont honnêtes et qu'ils sont venus pour chercher la vérité, ils doivent respecter leurs propres livres. Dès l'instant où il n'y a pas de respect des lois de nos propres livres, qu'on appelle les notices, c'est l'anarchie totale. C'est du bordel. Parce que eux, normalement, nos frères musulmans, avant même de parler d'un seul verset et de l'expliquer, de le décortiquer, ils doivent se munir des taxis ou des hadiths. Ils n'ont pas ça. C'est-à-dire, n'importe quel musulman vient, il prend un verset, c'est fermé, hein, le verset est fermé. Hein. Eux, ils expliquent ça à leur manière. Et ils refusent les écritures et ils refusent de pouvoir aussi obéir à ce que le Coran leur dit de venir nous voir. Nous qui lisons le livre, descendu avant le livre, de venir nous voir, on va leur expliquer. Parce qu'il y a une explication charnelle et il y a une explication spirituelle. Eux, depuis fort longtemps, ils nous parlent de Jésus-Christ humain, cher. Bah là, je vais lire des écritures là. Diane me dit, oui, machin, qu'au départ, il me dit, oui, Allah a envoyé la Torah, il n'a pas envoyé la Bible. Ça veut dire que mon frère Diane ne sait même pas ce que c'est que la Bible. La Bible, là, ce n'est pas le mot Bible qui est la parole de Dieu. Je suis désolé, frère Diane, tu es un enseignant, tu dois savoir ça. Le mot Bible, là, ce n'est pas ça qui est la parole de Dieu. Sois sérieux. Le mot Bible, là, c'est un mot hébreu qui veut dire Biblo, qui veut dire bibliothèque. Une bibliothèque, c'est une armoire où se trouvent plusieurs livres. Donc, le fait qu'ils ont réuni tous ces livres-là, les livres dont on parle, là, la sourate 2 à 136, là. La sourate 2 à 136 dit quoi? Nous croyons en Allah et en ce qui nous a envoyé, nous a révélé. Donc, je paraphrase. Donc, ils croient en Allah et tout ce que Allah leur a révélé. À l'occurrence, les livres d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de Moïse et de Jésus. Le Coran dit, il croit en ça, il croit en Allah, il croit en ces livres-là, et il ne fait aucune distinction entre ces livres-là. Donc ces livres-là, c'est plusieurs livres spirituels qui contiennent la parole de Dieu, et qui sont stockés dans un seul livre, qui était une bibliothèque. Donc la Bible, là, ce n'est pas le mot Bible qui est la parole de Dieu. On a tous dit ça. Ils disent que le Coran la Torah a été envoyée par Moïse, et pas quoi machin, mais la Bible a été envoyée par qui? Mais la Bible, c'est pas un livre qui est le mot qui explique les paroles de Dieu. C'est l'endroit où est stocké tous ces livres dont parle la sourate 2 à 136. Et la sourate 34 à verset 16 qui lui dit que Dieu dit, lisez ces livres. Plutôt, lisez ce livre. Ni l'un ni l'autre ne fera défaut. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les a rassemblés en un seul. Où les a rassemblés? Dans un seul livre appelé la Bible, qui est la bibliothèque, tout simplement. Alors, je poursuis. J'ai dit que nos frères musulmans, là, ils doivent écouter les livres. On va voir une écriture limpide, qui va fermer la bouche à tous les musulmans pour leur dire qu'ils doivent respecter les chrétiens. Et il y a mon frère qui dit, oui, mon cher, c'est lui qui dit Jésus-Christ est comparation de Dieu, et c'est ceci l'abomination. C'est lui qui doit décider si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Mon frère israélien, là, c'est pas lui de dire si Jésus-Christ est Dieu ou pas. Parce que ce sont les livres qui contient la parole de Dieu, qui doit nous démontrer par A plus B qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Lisons les livres, taisons-nous. Pas de commentaires. Sans commentaires à faire, on va lire les écritures, vous allez voir que moi, je ne ferai même pas de commentaires. Tu ne feras aucun merci. Commentaire. Merci beaucoup. Merci. Ok, on est arrivé à ton temps. On va écouter Oussa Diané. On vous écoute, Oussa Diané. Vous avez 5 minutes pour répondre à cette question la divinité de Jésus-Christ. Allô? Oui. Monsieur Jean, monsieur Jean, oui. Allô. Oui. J'ai pas parlé, mon temps, mais ce n'est pas utilisé. Et je voulais pas me laisser. La connexion n'est pas bonne. Je pense qu'on ne peut pas. En fait, ça bug de votre côté là-bas. Pour gagner ça plus de temps. Vraiment? Oui. Ah ouais?
J'ai pris ma tablette. Ouais. Allez-y, on va. Allô? Oui. Allô? Je pose une simple question à Oustaz Yanné. Allô? Elle m'entend. Allez-y, on vous écoute. Hein. Allez-y, ouais. Voilà, la question que je pose à Oustaz est la suivante. Je lis Jean chapitre 1. Donc, le est avec Dieu, le verbe est tel. Et le verbe, c'est fait homme. Non, on vous entend pas. On vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Est-ce que vous pouvez vous connecter sur d'autres appareils à part de cet appareil que vous avez, s'il vous plaît? Parce que c'est très important, ok? Ok. Oussa Diané, maintenant on vous écoute sur cette divinité de Jésus-Christ. Notre frère le lion dit qu'il existe cette divinité de Jésus-Christ. Je pense qu'il a fait aussi allusion à cette partie de notre frère Yahwasap qui va aussi répondre tout à l'heure à son tour. Mais pour vous, la DDR, quelle réponse avez-vous à donner aux téléspectateurs? Merci beaucoup. Le lion, je lui ai dit de me donner une phrase venant de Jésus-Christ où il dit « Je suis Dieu ». Jusqu'à la fin de l'émission, il ne va pas trouver. Si le moule existait, il allait donner et puis on se lève, on va à la maison. Mais il va sauter, il ne peut pas trouver. Ouais, on est venu demander, la Bible veut dire en hébreu, « Bible », c'est pas ce que ça veut dire. Le mot « Bible » vient du grec. Hein? Ça veut dire quoi? C'est ta Biblia, « Biblos », ta Biblia, ou bien encore, voilà, c'est du grec que ça vient. Maintenant, la Bible n'est pas mentionnée dans le Coran, c'est l'évangile à la parle. À la parle de la Torah. Dieu n'a pas donné la Bible à un prophète. Il a donné la Torah à Moïse, Somme, David, évangile de Jésus, Coran, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux tous. Il n'a pas donné la Bible à quelqu'un. Et là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? Votre Dieu, Jésus, là, est-ce que c'est lui qui est le Dieu? Donne-moi un verset, Jésus dit, je suis Dieu. On a fini, on va à la maison. Tu ne vas pas trouver, tu ne peux pas trouver, et tu ne t'en sortiras pas en trouvant. Même les versets que tu vas prendre. Le frère a dit quoi tout à l'heure? Il dit qu'il a fait 40 ans dans l'église catholique romaine. Ce sont les catholiques qui ont donné tous ces livres que vous avez aujourd'hui. Bibliothèque, rassemblement des livres. Oui, ok. Dieu, Allah ne parle pas de ça dans le Coran. Genèse, l'Exode, Lévitique, le nom, le Deutéronome, c'est Dieu qui a donné ça à Moïse ou bien. Ce n'est pas ça. Le livre, la Torah qui a été donnée à Moïse, là, c'est pas la Genèse, c'est pas l'Exode, c'est pas l'Épitique, c'est pas le Nom, c'est pas le Deutéronome. Mais les propos authentiques de Moïse se trouvent dans les cinq premiers livres de la Bible que vous considérez comme Torah. C'est pas la Torah, mais c'est vous qui considérez comme Torah. C'est pas le sujet, encore une fois. Jésus-Christ est là. Il est votre Dieu. C'est vous, chrétiens, qui dites qu'il est Dieu. Est-ce que tu as vu en Israël, il y a débat sur Jésus-Christ, il est Dieu? Notre papa Abdoulmadjid nous disait au Mali comme ça, vous adorez un dieu blanc, aux yeux bleus. Comment tu peux adorer une divinité qui a une couleur humaine, qui est un être humain? Réveillons-nous, les gars. Tu vas beau monter, le Coran dit d'aller demander. Le Coran dit venez demander. Tout ça, c'est pas grave. Le Coran va dire d'aller demander. C'est pas ça le sujet. Pour la quatrième fois, c'est pas ça le sujet. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, oui ou non? Oui. Le frère a donné Jean 18, 20. C'est un verset clair. J'ai parlé ouvertement au monde où les chefs de la hein, où les gens s'assemblaient dans la synagogue, dans les temples. Je n'ai rien dit en secret. J'ai parlé ouvertement, je n'ai rien dit en secret. S'il était Dieu, il va cacher ça. Comment va t'adorer enfant de quelqu'un qui est Dieu? Comment va adorer enfant de Marie? Cette Marie même là, elle adorait son propre enfant. Souvent là, analysons les choses. Ça dit que souvent non. On n'a pas besoin de donner verset public même pour aller prouver que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Posons-nous la question. Marie, avant d'accoucher Jésus, elle adorait qui? Avant que Marie même ne naisse là, les Abraham, Jacob, Jean-Baptiste et autres là, qui étaient là, avant maman Marie même là, Adam, tout ça là, c'est Jésus qui adorait quoi? Donc Adam là, c'est Jésus qui adorait. Noé là, c'est Jésus qui a fait que le déluge a été, hein, a renversé les gens, c'est Jésus qui a fait ça. Ce n'est pas le même Jésus qui dormait dans, barque, dans la barque, dans la chose, et puis on l'a réveillé. Pourquoi tu dors? Comment Dieu s'est endormi? Vous aussi, respectez-nous les gars. Hein? On n'a pas envie de dire des choses pour choquer la sensibilité des gens, mais c'est vous qui nous amenez à ça. Jésus est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Est-ce que c'est nous qui sommes en train de mentir sur lui? Il dit Dieu m'a envoyé, tu dis tu ne veux pas. Il dit Dieu m'a envoyé, tu dis tu ne veux pas.
Il dit, je ne peux rien faire de moi, mais Jean Ouassa prend la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça fait combien de personnes? Le Père, c'est par qui tout a été créé, tout vient du Père. Le Fils, c'est par qui tout passe. Le Saint-Esprit, c'est par qui tout s'accomplit. Les trois font pas un, les trois sont trois. Sans le Père, le Fils n'est rien. Jean Ouassa, si tu m'entends. Sans le Père, le Fils n'est rien. Sans le Fils et sans le Père, le Saint-Esprit n'est rien. Mais pourquoi vous les mélangez les trois? Jésus dit dans Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Mais il est grand que lui. Pourquoi vous dites la même chose? Arrêtez d'égarer les gens. Amenez les gens. Ne leur dites pas de devenir musulmans. Mais montrez-les la voie de la vérité. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que lui-même, Jésus, il adorait Dieu. Allons-y adorer le Dieu de Jésus. Yeshua adorait Dieu. Sa maman adorait Dieu. Est-ce que maman Marie, là, elle adorait Jésus? Est-ce que maman Marie, la maman de Jésus, elle adorait son fils? Ou bien elle n'a jamais adoré Dieu, quoi. Jean-Baptiste, là, il adorait Jésus. Pierre, Jacques, les André et autres, là, Simon, tout ça, ils adoraient Jésus, quoi. Oh, arrêtez. Hein? Jésus est né. Est-ce que Dieu peut naître? Et puis, je vais vous dire une chose. Ça va vous amener à comprendre quelque chose. Demandez à un chrétien. Qui est Jésus? Il va dire, il est Dieu. Est-ce que Jésus est fils de Dieu? Il va dire, oui. Est-ce que Jésus a été envoyé par Dieu? Il va dire oui. Est-ce que la maman de Jésus, c'est Marie? Il va dire oui. Est-ce que Dieu a une maman? Il va dire non. Est-ce que Dieu peut mourir? Il va dire non. Est-ce que Jésus est mort 3 jours, 3 nuits? Il va dire oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui était mort? Il va dire non. Qui était sur la croix? C'est Jésus. Maintenant, quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'a-t-il donné? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à Dieu. Jésus est qui? Il est Dieu. Bon, qui a envoyé Jésus? C'est Dieu. Qui a accouché Jésus? C'est Marie. Quand Jésus était dans le ventre de Marie, il était Dieu? Non. Quand Marie l'a accouché, il était Dieu? Non. Dieu est venu sous forme humaine en Jésus? Oui. Mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? Oui. Est-ce que Jésus est mort? Oui. Qui l'a ressuscité? Dieu. Mais est-ce que Dieu peut mourir? Non. Cacophonie. C'est la cacophonie. C'est-à-dire, sauf miséricorde d'Allah, au jour du jugement, là, ça a chauffé. Hein? Ça a chauffé. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 et suite, il dit, ceux qui me disent Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, sauf celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Merci beaucoup, Sadiane. Okay. Merci à vous. Maintenant, on va encore, il y a WhatsApp. Je pense que vous avez écouté la partie qui vous concerne aujourd'hui, selon les textes que vous venez de lire. Il y a encore cette divergence qui existe sur cette divinité de Jésus-Christ. Alors, on vous écoute pour votre part de réponse. Quelle révélation avez-vous nous partager? Oui, alors, les frères chrétiens, lorsque nous vous parlons de que Yeshua n'est pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas pour essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et dire que vous ne savez pas ce que vous dites. Il y a une chose qui est claire, c'est-à-dire que les musulmans... Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, allô? Les musulmans... Ouais, ça va mieux? On parle de ce voilà, maintenant ça va. Attendez, on va revenir tout à l'heure avec vous. Allez-y, monsieur Yawasapa. Allez-y. Je parle des musulmans. Je parle de mes frères aussi israélites, ceux qui écoutent vraiment la parole. Et ceux qui prennent chaque verset en compte. C'est-à-dire ne pas prendre seulement les versets qui les intéressent, qui soulagent leur cœur et leurs esprits, mais qui n'écoutent pas ce qu'on dit. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en disant des versets que je vais vous donner, analysez un peu. Faites pas le fier, l'orgueilleux. Analysez chaque verset. Travaillez dessus, ça va prendre des mois, des années. Pas parce qu'on est pasteur ou prêtre, on pense tout connaître. C'est faux. Yoshua nous dit quelque chose qui est bien simple. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Parce que ça, c'est encore l'orgueil. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Ça, c'est encore l'orgueil. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse.
vous qui dites que Jésus est votre Dieu, aux yeux bleus, blonds, comparez Jésus avec le fils de la famille Borgia, Gréco-Borgia. Regardez-le bien. Aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais s'il le faut, tu pourras revenir là-dessus en détail pour voir qui c'est que vous adorez exactement. Vous n'adorez pas Dieu, vous adorez le Jésus. Et si vous prononcez vraiment le nom de Yeshua, qui n'est pas Dieu, vous comprenez encore plus de choses. Vous acceptez le vrai Yeshua, le vrai Mashiach. Maintenant, Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Yeshua vous dit, pourquoi vous l'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que vous dites? Okay. Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il ne suffit pas de parler, de faire de la philosophie énormément et dire que ce frère-là, ce musulman-là dit ça, ce frère-là dit ça. Il ne connaît pas les Écritures. Mes frères chrétiens, ne rentrez pas dans le Coran si vous ne maîtrisez pas le Coran. Restez déjà dans les évangiles. Je ne vous envoie même pas dans ce que vous appelez l'Ancien Testament, qui n'est pas pour moi l'Ancien Testament. Restez seulement dans le Nouveau Testament, parce que je pense que les autres, vous ne le maîtrisez pas. Restez. Déjà, essayez de maîtriser le Nouveau Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament. Hein. Pour moi, c'est une continuité. Alors, écoutez ce que je vais vous dire. Souvent, vous prenez Matthieu chapitre 28 au verset 19. Et vous dites, allez par toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Que ça soit clair dans votre tête. Étudiez, renseignez-vous. Ce verset est un rajout tardif. Ce verset n'existe pas dans la Bible normalement. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je crois aux paroles qui sont de Dieu dans les Écritures. On arrive à le faire par le discernement. Si vous prenez chaque Bible, j'ai plusieurs Bibles à la maison. Il vous reste 20 secondes. Vous comparez des versets à versets dans les Bibles, souvent, ça ne se correspond pas. Chaque Bible donne sa version. Maintenant, je vous dis quelque chose qui est bien simple. Dans Matthieu 28 au verset 19. Merci. On va peut-être suspendre cette partie ou bien d'accord. on va peut-être. Je voudrais bien le reprendre. On va vous donner une minute si vous souhaitez, qui sera retirée dans votre temps. Est-ce que vous souhaitez? Oui. Ou bien vous souhaitez attendre. Je vais reprendre tout à l'heure et je pense que directement là-dedans sera plus clair. Ok. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole. Ce que j'ai à vous dire est très important. Okay. Cette partie-là. Ok, merci beaucoup. Merci. On va maintenant donner la parole à Monsieur Jean Awassa. Monsieur Jean Awassa, la divinité de Jésus-Christ, croyez-vous, oui ou non? Vous avez 5 minutes, on vous écoute. Monsieur Jean Awassa, on a encore des soucis avec Monsieur Jean Awassa. Maintenant, on va écouter Monsieur Lyon. Je pense qu'il y a des passages aujourd'hui qui prouvent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais vous avez dit qu'il y a des passages. Dans le livre, est-ce qu'il existe réellement des passages qui prouvent que Jésus-Christ s'est déterminé qu'il est Dieu, oui ou non? On vous donne vos 5 minutes. Où Jésus lui-même dit je suis Dieu. Voilà, où Jésus même dit, je suis Dieu. On vous écoute. Voilà. Déjà, écoutez-moi très bien. Nous ne sommes pas à un débat où un débatteur doit diriger, doit poser des questions que nous devons suivre. Il y a un débatteur qui est là et il y a un modérateur qui est là. Je viens, il y a un modérateur qui est là.
C'est lui qui nous demande de nous démontrer, on dit démontrer la divinité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On n'a pas eu de poser des questions pour que nous puissions suivre les questions d'un débatteur. Je vais répondre à toutes ces questions-là. Parce que lui, d'abord, avant de parler, il a parlé de beaucoup de choses. Il m'a dit la Bible d'abord, que la Bible n'est pas été envoyée par Dieu, que machin, machin. Voilà pourquoi je suis revenu sur ces propos. Et puis, j'ai nettoyé ça d'abord. J'ai nettoyé ça parce que lui, d'abord, il ne sait pas ce que c'est que la Bible. Ou ça, Diane, c'est pas ce que c'est que la Bible. La Bible, c'est pas un livre par rapport au mot que nous entendons, qui est la parole de Dieu. Il dit que la Bible est un mot hébreu qui veut dire biblo, qui veut dire biblo, qui signifie bibliothèque. Une bibliothèque, c'est un armoire ou un buffet où il y a plusieurs livres. Alors donc, c'est lui qui a commencé à parler de ça. Maintenant, il vient pour dire que Dieu n'a pas, donné la Bible à quelqu'un. Mais il dit que c'est pas le sujet. Pourtant, lui-même, il en parle tout le temps. Alors, moi, je lui pose la question maintenant. J'ai déjà répondu. Je lui pose la question à savoir. Diane, dis-moi aujourd'hui, devant tes frères, devant le ciel et la terre, dis-moi, donne-moi aussi un verset où cela est écrit que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas Dieu. Il ne sera jamais Dieu, n'a jamais été Dieu. Et moi, il te donne un verset où Jésus-Christ dit de sa propre bouche, on va le lire noir sur blanc, où lui-même dit, moi, Jésus, il lui dit, il est Dieu. Le Tout-Puissant. Il a les mêmes attributs que ton Dieu Allah. Allah et Jésus, ils sont jumeaux. Ils sont jumeaux. Alors, tu me dis qu'il n'y a pas de verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu. Ou il a dit dans sa propre bouche que vous refusez les Écritures. C'est ça qui nous énerve, nous les chrétiens. Là. On ne comprend pas pourquoi nos frères musulmans refusent les Écritures et ils veulent que on se plie à ce qu'eux ils pensent. Ben non. On va prendre ensemble. On va prendre ensemble la parole de Dieu. Et je vais fermer sa bouche une fois pour de bon, pour ne plus qu'il pose cette question encore. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Bon, toi aussi, Diane, il ne faut pas faire ça, mon frère. On va prendre ensemble l'Apocalypse. Apocalypse verset 1, chapitre 8. On va voir si Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est Dieu. Écoutez très bien. Hein? Nos frères musulmans, là, ils refusent les Écritures et puis ils disent que ce n'est pas écrit. Ce n'est pas à eux de dire, oui, ce n'est pas ça. La Bible dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Voilà, voici l'Écriture ici. Apocalypse, verset 1, verset 8. Plutôt, Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Voici une Écriture où Jésus-Christ de Nazareth lui-même dit que c'est lui Dieu, le Tout-Puissant. Écoutez bien, Apocalypse 1, verset 8. Et j'ai lu la parole de Dieu avec respect. Jésus-Christ dit ceci, « Je suis l'alpha et l'oméga, qui veut dire le premier et le dernier. » C'est que Allah a comme attribut. Mohamed n'a pas cet attribut-là. Jamais il peut avoir ça. Jamais de la vie. Tu vas traîner dans la Bible, traîner partout dans le Coran, tu ne vois jamais voir le mot, ou bien la phrase, je suis l'alpha et l'oméga attribué à un homme ou à un prophète du nom du prophète Mohammed. Jamais de la vie. Donc Jésus-Christ dit ici, je suis l'alpha et l'oméga. Accrochez-vous. Dis le Seigneur Dieu. Je n'ai pas l'écriture encore. On est en train dans les oreilles là. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et il précise. Il prend la peine de préciser. Il dit, dis le Seigneur Dieu. Alors, il poursuit encore pour dire, celui qui est, qui était, et qui vient, et il ajoute encore, le Tout-Puissant. Oh, ces attributs-là, ce sont des attributs que Allah a. Et puis il dit qu'il est Dieu. Allah a ça, et puis il dit qu'il est Dieu. Et Allah dit qu'il est, il est la vérité. La sourate 22, verset 6. Il dit qu'il est la vérité. Avec ça, il dit qu'il est Dieu. Alors que Jésus-Christ aussi dit que, dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui peut être la vie? Que tous les musulmans me répondent ici. Qui peut être la vie? Si ce n'est pas Dieu seul qui est la vie. Sois un peu sérieux et honnête. Jésus-Christ de Nazareth, il dit que, ouais, je suis merci. Le chemin. Tu me dis la parole. Merci. Ah ben, allô. C'est, on a dit, oui, allô. Merci. C'est trop court.
Merci beaucoup. On va allez. Oui, monsieur, la parole, monsieur Jean, excusez-moi. Ah, oui. On vous donne maintenant la parole. Maintenant, d'accord, c'est gentil. Voilà, maintenant la connexion est bien. Et il faudrait merci beaucoup. Il faudrait que le Dieu de Jésus-Christ à vous garde cette connexion parce que c'est très important. Voilà, on vous écoute. Vous avez 5 minutes. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Voilà, bon, dans ce coup, on est plusieurs. De toute façon, je vais faire très simple parce que je voulais. Alors, je vais commencer par lire Jean parce que ce que le frère a dit, c'est très important. Parce que Oussas Diagne dit où est-ce que Jésus a dit qu'il est Dieu, parce qu'après il va dire oui, Moïse aussi est Dieu, voilà. Mais je vais commencer par lui dire, Jean 1:1, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Donc au commencement, le Verbe est éternel, et le Verbe est co-éternel. Alors on va aller au verset 14. Alors c'est très important. Et le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire que le Verbe s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair et il a campé parmi nous et nous avons contemplé sa gloire, la gloire qu'il tient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Alors la question que je vais poser à Oussas Diagne, mon frère, il va nous dire, est-ce qu'il reconnaît? Non, vous allez d'abord nous lire les textes, monsieur Jean. Non, je pose la question parce que je vais continuer sur ça en fait. Est-ce qu'il reconnaît dans ce que je viens de lire là? Ça c'est la Bible de Jérusalem. Est-ce qu'il reconnaît que le Verbe qui était Dieu s'est fait homme? Alors maintenant, je prends la Bible de Louis II. Parce que il faut qu'on va être très simple par rapport aux questions. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc ça, c'est Jean 1:1. Alors j'allais directement au 14. Approchez-vous de votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Et la parole s'est fait homme. Et la parole s'est fait homme. Donc, la parole qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, la parole s'est fait homme. On ne peut pas être plus clair que ça. Donc, du coup, la question que je pose à mon frère, parce que je lis aussi la Bible de Tom, c'est qu'il me réponde. Est-ce qu'il reconnaît, dans ce que je viens de lire là, que la parole qui était Dieu, qui était auprès de Dieu, elle s'est faite homme? Voilà la question que je vais lui poser. Je lis la Bible de Tom. Pour qu'on soit d'accord, parce qu'il faut qu'il reprenne ces questions, parce que tout part de là en fait. Parce que si on n'est pas d'accord sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, si on conteste ce qui est écrit, alors évidemment on ne peut pas avancer dans un débat. Parce que dans un débat, il faut être en vérité. Alors je vais continuer donc dans Tom. Qu'est-ce que Tom dit? Je reprends les mêmes trucs parce que je prends trois Bibles pour qu'on soit d'accord. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà. Et je prends le 14, pareil aussi, je dis. Et le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que Fils unique, plein de grâce et de vérité, tient du Père. Donc, ma question est toute simple. Hein, toute simple. Est-ce qu'il reconnaît, dans ce que je viens de dire là, que le Verbe s'est fait chair, le Verbe est devenu un homme? Ou alors, est-ce que ce que j'ai dit, ce que dit la parole là, est-ce que ce que je viens de dire là, ce que dit la parole, est-ce que c'est vrai ou c'est faux que le Verbe qui était auprès de Dieu, qui était Dieu, ce Verbe-là est devenu un homme. Et cet homme-là, c'est le Fils unique du Père. Est-ce qu'il reconnaît au moins cela? C'est la première question que je vais poser. Parce que s'il ne répond pas à cette question, le débat ne peut pas avancer. Parce que vous savez, le problème qu'on a avec les frères, nos frères musulmans, c'est qu'ils disent, oui, tu dis, il est Dieu. Non, mais effectivement, le diable aussi est appelé Dieu, Moïse aussi est appelé Dieu. Donc, du coup, on tourne en rond. Et puis ensuite, je vais lui montrer en quoi ce Verbe-là, il est le Seigneur Jésus-Christ. Mais comme on est plusieurs, je pensais qu'on serait que deux, je vais partir dans Romains pour qu'il sache que... Allô? Pour qu'il sache que, parce qu'il dit nulle part, voilà. Pour qu'il sache que, effectivement, le Verbe qui est au commencement, qui il est. Alors je prends Romains et je vais prendre Romains simplement au verset 9. Voilà, Romains au verset 9. Et je prends 4 à 5. Qui sont Israélites? À qui appartient l'adoption et la gloire? Et l'alliance et la loi et le culte? Et les promesses et les patriarches? Et de qui est issu selon la chair de Christ? Qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Donc le Christ, dans ça,
effectivement, le Verbe s'est fait chair. On veut savoir maintenant qui est cet homme-là, qui est le Fils. Eh bien, cette parole précise que le Verbe est issu des Israélites, donc dans sa chair, il est vrai homme, 100%, et il est vrai Dieu, Dieu béni éternellement. Voilà. Donc, je ne sais pas combien de minutes il me reste encore pour peut-être développer. Il me reste combien de minutes Normalement, il vous reste 2 secondes, mais on vous donne 2 minutes supplémentaires. Allez-y. Vous avez 2 minutes supplémentaires. Ok, ouais. D'accord. Donc, du coup, voilà. Donc, là, les paroles sont très claires. Alors, je vais dire une chose. Parce que je pense que, moi, je suis catholique, chrétien, catéchiste. Je vais dire une chose que nos frères musulmans ne comprennent pas. Alors, Mohammed a été formé par Waraka. Waraka est ébionite. Et ça, on l'a appris avec le père Édouard Marie Galès, qui dit que Waraka est ébionite. Ébionite, ce sont des chrétiens hérétiques. Des chrétiens hérétiques qui reconnaissent que le Christ est Messie, mais qui n'est pas Dieu. Voilà. Donc, du coup, dans le Coran, c'est vrai qu'on ne peut pas démontrer que le Christ est Dieu dans le Coran, parce que même si le Coran dit dans la sourate 4, ce sont 11, qu'il est la parole Kalima et qu'il est l'esprit, le souffle, ou bien le souffle de Allah de l'islam, parce qu'il dit Allah de l'islam, c'est issu, et Issa, eh bien, il ne peut pas reconnaître cela. C'est normal, parce que de toute façon, il a été formé par un chrétien hérétique. Et comme dit Jean, au chapitre, la première lettre de Saint Jean 1, au chapitre 2, il dit, de toute façon, des antichrists sont sortis de nous. Donc, les ébionites sont des antichrists qui sont sortis des chrétiens et qui ont fait des mouvements. Et c'est de ces mouvements-là qu'appartient Waraka, qui est évidemment formé Mohammed. Alors, la dernière chose que je voudrais quand même préciser, vous savez, tout le monde peut dire qu'il est Dieu. Vous savez, Ptolémée II, celui qui a demandé aux Israélites qui vivaient en Égypte de traduire l'Ancien Testament en grec. Et c'est comme ça que la Septante a vu le jour. Eh bien, même ça, il y a eu une déformation parce qu'ils ont fait un commentaire sur Exode 3, verset 14. Le Christ dit, avant qu'Abraham exista, je suis. Le Christ, l'auteur sacré utilise le subjonctif de l'imparfait ou bien l'imparfait du subjonctif. Pour dire que l'existence d'Abraham était incertaine, mais le Dieu, celui qui est, je suis, c'est l'être. L'être. Le Christ dit qu'il est l'être. Et c'est ce que dit Dieu à Moïse. Je suis. Je suis. Alors, évidemment, si quelqu'un dira, il va dire c'est celui qui est. Il est l'être. Et là, c'est incontestable. Parce que tout le monde peut dire qu il est Dieu. Mais tout le monde ne peut pas dire qu││il est l'être. Merci, merci. Vous avez 20 voilà. secondes, allez-y, donc, si vous pouvez. Ouais. J'attends ma réponse de mon frère Oustaz Diané, merci. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Jean, à Ouassa. Oui. Oustaz Diané, à vous la parole. Vous avez vos 5 minutes de compteur. Quelle réponse avez-vous à répondre à ces deux questions de nos invités? C'est ce que je décide de dire à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Le frère Lyon, il est évangélique, l'autre est catholique. Lui, il ne croit même pas au catholicisme, ça c'est un premier point. Tu allais parler de Waraka d'abord. Ce n'est pas chez vous, au catholicisme, vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce n'est pas chez vous, on dit ça, la maman de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une maman? Ça c'est un problème d'abord. Donc il faut laisser cette histoire de Waraka, c'est là-bas que Mohammed a pris. Et ce Waraka-là, il adorait Jésus. Waraka dont tu parles là, où Mohammed sera salam dans les traditions prophétiques, où il a dit que quand il a vu la révélation, quand il l'a envoyé chez Waraka, qui lui a dit non, l'ange que tu as vu, c'est le même qui est venu à Moïse, tes parents vont te chasser, etc., etc. Non, est-ce que lui l'adorait Jésus? Non. Il dit, vous deux là, catholiques, évangéliques, donnez-moi un verset dans la bouche de Jésus où il dit je suis Dieu. Oui, tu m'as posé une question, regarde la réponse. Ça dépend de la version que tu lis. Voilà l'avantage de l'islam là. On a le Coran clair. Quelqu'un va dire, le lion disait tantôt, sourate 3, verset 3, Allah donne Torah, tant. Il dit, ce n'est pas la Bible, il veut discuter. Nazala alayka al kitaba bil haqqi, musaddika lima bayna yadayhi, wa anzala al tawrata wal injil. C'est clair. Tu me dis, la parole s'est faite chair. Dans d'autres versions, elle a été faite chair. Non, la parole est devenue un homme. La parole s'est faite un homme. La parole a été faite chair. Dans 8 secondes, elle a été faite chair. Maintenant, toi, chez toi, on dit c'est pas cher. On prend pour qui? Lis-moi le texte original de ce qui a été dit. Débat est clos. Lis-moi le texte original de Jean 14, vers Jean chapitre 1, verset 14. Débat est clos.
C'est ça, vous ne pouvez pas. Vous n'allez pas pouvoir prouver. Jésus a-t-il dit, je suis Dieu? Montre-moi le verset, ça a fini. Lion dit non, il faut me montrer où il dit. Je n'ai pas été Dieu. Jésus n'a jamais dit dans la Bible, je ne suis pas Dieu. Il n'a jamais dit. Mais il n'a jamais aussi dit, je suis Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai été envoyé par Dieu. Pourquoi tu ne prends pas ça? Tu t'en prends en Apocalypse. Mais tu t'abuses mal un lion. Apocalypse chapitre 1, verset 8. C'est ce qui. Voilà l'avantage des musulmans. On a toutes les versions. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Bible, parole de vie. Il est dit ici. Le Seigneur Dieu dit. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Le Seigneur Dieu dit. Jésus ne fait que reprendre les propos de Dieu. La lettre tue, l'esprit vivifie. Ésaïe 46, 9. Quand Ésaïe dit je suis Dieu, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Est-ce que Ésaïe devient Dieu? Il parle sous le contrôle de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Genèse chapitre 10, Genèse chapitre 16, verset 16 et suite. L'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange dit je multiplierai. Est-ce que c'est l'ange qui multiplie? Quand Ésaïe dit je suis Dieu, est-ce que Ésaïe devient Dieu? Quand Jésus maintenant déclare ici, il dit le Seigneur Dieu dit, il reprend les propos de Dieu. Il n'a pas qu'à de dire le Dieu. Tu as dit non, Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus est Dieu. Je suis le premier, je suis le dernier, le Dieu. Tu ne peux pas, hein? Montre-moi où il dit je suis Dieu, parce que le mot je suis Dieu est biblique. Jean Wassa, ta réponse a été donnée. Jean chapitre 1, verset 14. La parole a été faite chair. Pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, et non une gloire comme celle de Dieu venu sous forme humaine. C'est ce passage là où vous prenez pour dire Jésus est Dieu venu sous forme humaine. Mais le passage ne le dit pas. Le passage dit comme le Fils de Dieu venu sous forme humaine. Quoi? Non. Comme, on dit, dit la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire. Oui, mais ça veut dire comme que la gloire du non. Fils. Monsieur Jean, on ne parle pas. C'est son minute. C'est ta version qui te dit ça. Voilà moi, ma version dit la parole a été faite chair. On prend pour qui? Même quand vous dites, nul ne vient au Père que par moi là, il est le chemin, il n'est pas la destination. Dans cette version, on dit, nul ne va au Père. Nul ne va. Il n'a même pas dit nul ne vient, nul ne va. On prend pour qui? Lisez-moi le texte original et puis le débat est clos. Jésus dit, pourquoi vous ne prenez pas les propos de Jésus? Vous partez vous accrocher dans les propos qu'il n'a même pas dit. Regarde ici. Jean 8, 40, la Bible révisée 10 secondes. Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Est-ce que Dieu, c'est un être humain? Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Fils de Marie. Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Jésus est fils de qui? Donnez-moi un verset où Jésus dit, je suis Dieu. Lion, il a répondu à ta question. Il n'a jamais dit, je ne suis pas Dieu. Mais est-ce qu'il a dit, je suis Dieu? Soyez honnête. Vous, catholiques, là, vous ne dites pas Sainte Marie, la maman de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir un enfant? Jean Wassa, elle a le courage de dire, chez vous, les catholiques, là, vous dites maman de Dieu. Et puis, pour prouver que Dieu peut avoir un maman, on va voir un Dieu et puis sa maman qui a existé avant qui? Ne venez pas tromper les gens. Ne venez pas tromper les gens. Lisez-moi le texte original. On va voir ce que ça va donner. C'est ça l'islam. Dès que vous voulez mentir, on se réfère au texte original. Voilà, une version dit, la parole s'est faite chair. Il y a une autre version qui dit, elle a été faite chair. L'autre côté, on dit non, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. L'autre dit non, Dieu déclare, je suis l'alpha et l'oméga. Donc, lisez le texte original et puis vous allez départager. Jean Wassa, reconnais que vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu. Ma question à toi, est-ce que Dieu peut avoir une maman? Tout simplement. On ne vous a pas demandé de démontrer la divinité de Jésus. On dit, dites-nous où Jésus a dit, je suis Dieu. Mais le problème c'est quoi? Le mot je suis Dieu est dans la Bible. Pourquoi tu ne vas pas prendre ça? Jean Ésaïe 46, 9 là. Pourquoi tu ne vas pas prendre pour dire c'est Jésus qui a dit? Parce que c'est tout ça là, on va t'attraper tout de suite. Jésus n'était même pas né, sa maman n'était même pas encore née. Pendant que Dieu dit je suis Dieu. Arrêtez de tromper les gens. Reprends ma question. Est-ce que ce que je dis, c'est... Il a répondu à ta question. La parole a été faite chair. Elle a été faite chair, c'est pas quelqu'un. Jésus dit quoi? Matthieu 28, 18.
Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été. M'a été, c'est pas quelqu'un. La parole a été faite chair. C'est pas quelqu'un. C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7. Il dit, tu n'as voulu ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé le corps de Jésus? Je vais te répondre à cette question. Faut répondre à ma question. Qui a formé le corps de Jésus? Faut répondre. Cette Marie, mère de Dieu, là, vous dites ça, tu es catholique, non? Faut dire à ton frère, Lyon, que Dieu a une mère. Faut lui dire ça. Lyon est là, il t'attend. Toi, tu es catholique, il est évangélique. Faut lui dire que Dieu a une maman. Faut lui dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Non. Monsieur Jean, vous calmez. Vous allez revenir tout à l'heure. On va revenir avec vous. Il faudrait qu'on ait quatre sur ce plateau. Il faudrait que les temps soient respectés. Alors, monsieur. Yahwasap, je pense que vous avez les mêmes versions que les musulmans, mais cette divinité de Jésus-Christ est là pour défendre, sera défendue par nos deux frères qui sont là, Monsieur Le Lion et Monsieur Jean Awasa. Mais pour vous, selon les textes, quelles sont les vérités de la Bible sur la divinité de Jésus-Christ? Allez-y. S'il vous plaît. Super. Je vais poser une question. Est-ce qu'on peut avoir un temps pour pouvoir décortiquer? Il y a plein de versets là, parce que vous donnez 5 minutes, ça suffit pas. Oui, mais donnez le temps de pouvoir presser le point. Je vais gâter le point en même temps. Oui, 5 minutes, ça vous permet. C'est on va revenir tout à l'heure. Ok, on va revenir. On va essayer. Au moins 10 minutes, mais 15 minutes. Il y a des versets qui sont là. Parce que depuis longtemps, il parle. Alors, Attends, tu vas voir. Oui, je suis Dieu. C'est pas toi qui dois dire. C'est pas toi qui dois poser la question. Moi, je dois démontrer par dans la Bible. Tu vas le connaître aujourd'hui là. Tu vas le connaître. Tu le connais pas encore. Il va parler. Tu vas voir. Alors, on va écouter notre frère Yahwasap. À vous, l'antenne. Vous avez vos 5 minutes. Oui. Est-ce que je peux prendre le frère Oustache Diané pour qu'il puisse faire une lecture assez rapidement? Pour que je puisse analyser quelque chose que je vais vous révéler. Voilà. Est-ce que c'est possible? Oui, avec allez-y. Plaisir. Allez-y, ouais. D'accord. OK, on va faire un petit exercice. Déjà, je prends d'abord Ésaïe, chapitre 28, verset 9 à 10. Il dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce que c'est des enfants qui viennent d'être sevrés? Qui viennent de quitter la mamelle? Le verset 10 qui est important. Car c'est précepte sous précepte, règle sous règle, un peu ici, un peu là. Bon, il y a d'autres Bibles qui racontent des bêtises hein, par rapport à ce verset-là. Hein. Donc, on va faire exactement ça. Un peu ici, un peu là. Je vais vous montrer une vérité. Regardez bien. Oustaz, est-ce que tu peux me lire Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, s'il te plaît? Matthieu 28, 19 à 20, je suis à la page. Il est écrit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, leur baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, est-ce que tu peux faire le même exercice, mais tu gardes seulement le mot au verset 19, allez, d'accord? Tout le reste qui suit du verset 19, tu le mets de côté, tu l'enlèves. Tu gardes seulement le verset, le 19, tu dis seulement « Allez » et tu enchaînes directement avec le verset 20. Est-ce que tu as compris ou, ce que je veux dire? Il n'y a pas de souci. « Allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voici la vraie version. Ce que vous avez lu entre eux, c'est un rajout tardif. Je vais vous prendre les notes si vous voulez. Prenez des notes. Vous allez prendre le livre de Matthitiaus d'après le texte hébreu, Shem Tov. Évangile de Matthieu en hébreu, Shem Tov. Traduction Ruth Israélite. C'est disponible en PDF si vous pouvez le trouver. Il dit quoi? Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Et Yéhoshua s'approcha d'eux et leur dit, « À moi a été donné tout pouvoir dans les cieux et sous la terre. » Verset 19, allez, c'est tout. Verset 20,
et gardez pour accomplir toutes les paroles que je vous ai commandées jusqu'à l'éternité. Vous voyez, il n'y a pas de baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Le seul mot qui existe dans le verset 19, c'est « aller ». Maintenant, je vais vous prendre rapidement, si vous laissez le temps, je vais essayer de faire vite. Pareil, c'est Ops. Ah, je vous ai perdu. Ous. Ok, désolé. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Des encyclopédies. J'ai pris quelques-uns, pas beaucoup, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps dans 5 minutes. Hein. Trinité et baptême. Que dites les encyclopédies? Nous allons prendre 4 encyclopédies seulement. New International Encyclopedia, volume 22, page 477. Le terme Trinity a été créé par Tertullien, un père de l'Église catholique roumaine. Catholic Encyclopedia, même les catholiques, hein. Catholic Encyclopedia, volume 2, page 263. Ici, les catholiques ont reconnu que le baptême avait été changé par l'Église catholique. Interpreter's Dictionary of the Bible. L'évidence suggère que le baptême dans le christianisme primitif a été administré non sous le nom de la Trinité, mais au nom du Seigneur Yeshua. Britannique Encyclopédia, édition volume 3, page 365-366. La formule du baptême a été changée du nom de Yeshua Mashiach au mot Père, Fils et Saint-Esprit par l'Église catholique au IIe siècle. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, souvent, les chrétiens prennent ces versets-là. Moi, je vous dis, si vous êtes sincère, faites vraiment des recherches. Si vous aimez Dieu, vous l'appelez Dieu, mais je préfère l'appeler Yahweh, ou Yah, ou Elohim, Adonai, El Shaddai, El Elyon, ça me paraît plus dans la coutume hébraïque. Donc, ce que je veux dire par là, ce verset a été rajouté. Donc, si vous faites vraiment des recherches, et vous aimez vraiment Dieu, et vous aimez vraiment Yeshua Mashiach, déjà, vous allez accepter son vrai nom qui est Yeshua. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Il n'a jamais dit ça. Jean 5, 24, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il ne suffit pas de répondre, d'attaquer. Mes frères, ce n'est pas un jeu, il s'agit de la vie éternelle. On ne s'amuse pas avec ces choses-là. Moi qui étais chrétien, fervent chrétien, quand j'ai découvert les versets, j'ai accepté ces versets-là. Je n'ai pas pris la fuite et me cacher derrière une religion qui ne dit pas la vérité. Vous pouvez détester les frères qui vous disent la vérité, mais ils ne le disent pas pour chercher, pour essayer de vous 20 secondes. Baratiner, mais ils vous disent la vérité, c'est la vie éternelle. Mes frères, je vous le dis, prenez conscience de cela et l'orgueil de côté. Lisez, analysez et réfléchissez à ce que on vous dit. Merci beaucoup. Merci à vous, Ya WhatsApp. Monsieur Le Lion, à vous les 5 minutes sur les parties et des écritures qui prouvent réellement la divinité de Jésus-Christ, pour qu'on puisse finir avec ce problème de divinité. Quelles sont ces révélations? On vous écoute. Vous avez les 5 minutes. Oui, mais je vous ai posé une question tout à l'heure, je vous ai demandé quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir un peu de temps pour pouvoir développer un peu? Parce que c'est une question petite. Je vais demander l'ensemble de nos invités. Oussa Diané, est-ce que vous acceptez les 10 minutes? Non, 5 minutes est bon parce qu'il y a les auditeurs qui doivent appeler et puis l'émission est en train de tirer à sa fin. Okay. 5 minutes, tu peux. Oui, mais non, tu dis simplement il faut 5 minutes. Deux. Voilà ça, j'ai dit, je suis Dieu, c'est fini. Alors, on va accepter 5 minutes. Allez-y. Oui. Allez-y. 5 minutes, c'est trop peu. Bon, écoutez. On n'a pas besoin de prier pour Dieu. Tu montres sur moi et puis c'est fini. Oui, mais j'ai déjà montré. On te dit, Apocalypse 1, verset 8, qui commence par Ali ailleurs. Il faut commencer par où il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça, c'est la manilité, ça. Il lit le verset, il ne le lit pas correctement. Apocalypse 1, verset 8, où Jésus-Christ a dit « Je suis ». Quand on parle de « je », c'est le pronom personnel. C'est le premier pronom personnel. On parle de soi-même. Et il lit le verset, il le coupe et puis il commence quelque part.
faut commencer par je, où il a dit je suis l'alpha et l'oméga. Dis le Seigneur Dieu. Tu me dis oui, non, il a dit que il a parlé de Dieu. Faut pas dire ça. Voilà, maintenant on va voir maintenant. Je vais te couper même. Et puis le frère, comment on appelle, israélien là. Lui, il est en train de, ce sont les rudiments du monde. Lui, il se croit un peu, c'est pas quoi, dans une classe de, c'est bon, pas quoi. Tu as déjà passé, tu as déjà fait 2 minutes en train de faire commentaire. Voilà. Au lieu de répondre, bon, tu voilà, as fait 2 minutes voilà. Non, mais c'est bon. Toi, t'as pas besoin de parler d'abord, comment on appelle. Voilà. Je vais aller tout droit au but. Allah dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. D'accord? Allah dit que c'est Dieu. Écoutez bien. Allah dit que c'est Dieu qui l'a envoyé comme prophète. Donc, Allah est prophète de Dieu. Parce que c'est Dieu qui envoie les prophètes. Alors, comme qui me disent, qui est Jésus-Christ pour envoyer les prophètes? Je réponds à la question. Allah dit qu'il est Dieu. Les musulmans disent que Allah est prophète. D'accord? Que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, on considère que c'est Dieu qui envoie les prophètes. Alors, dites-moi, Diané, avec tous tes frères, appelle Youssouf N'Golo, appelle, Abdul Majid, qui lui répond à cette question. On va t'aider, hein. Qui est Jésus-Christ pour envoyer les prophètes? Dans Matthieu 23, 34, Jésus dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour envoyer les prophètes? Alors que nous savons très bien que c'est Dieu qui envoie les prophètes. Et dans Éphésiens 4, 10, 11, idem, il le répète pareil. C'est lui qui a envoyé. Il a envoyé certains comme apôtres, certains comme prophètes, certains comme évangélistes, certains comme docteurs et certains comme pasteurs. C'est Jésus-Christ qui envoie les prophètes. Il est qui? Point d'interrogation. Parce qu'on n'a pas assez de temps. Voici la question qui est posée à Diané. Il peut répondre. Il est qui Jésus-Christ de Nazareth pour envoyer les prophètes? Si c'est Dieu qui envoie les prophètes. Il est qui Jésus-Christ pour envoyer les anges? Qui est-il? Apocalypse 22, 16. Il dit ceci. Moi Jésus. Il n'a pas dit mon oncle. Hein? Il n'a pas dit mon père. Il dit encore moi. Quand on parle de moi, on parle de soi-même. Bon, ne vous amusez pas Jésus. Hein? Nos frères musulmans depuis fort longtemps, Diané, il prend des versets qu'il ne comprend même pas. Il prend les versets qu'il ne comprend même pas. Attends, je lui coupe un peu la parole là. Et puis, il va s'éteindre. Écoutez bien ce que dit le Coran. Hein. Le Coran dit dans la sourate 5, ayat 47, que nos frères musulmans là, n'ont pas le droit de prendre la parole, de décortiquer ou bien d'expliquer une seule parole dans le Coran. Ou de juger. Ils n'ont pas ce droit là. Normalement, mon frère Diané et mon frère qui est à côté là, quand ils lisent le Coran, ils doivent lire et puis s'éteindre. S'ils ne comprennent pas, ils doivent venir nous demander. Voilà. La sourate 547 dit ceci. Écoutez bien. Sourate 547. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Allah a fait descendre du ciel. Alors, Allah a fait descendre quoi? Allah a fait descendre la Torah, l'évangile, au même titre que le Coran. Sourate 3, verset 3. Donc, Diané, mon frère Diané doit se taire. S'il y a quelqu'un qui doit juger les paroles de Dieu, c'est-à-dire là, dans la Torah, dans l'évangile, comme dans le Coran, c'est nous les gens de l'évangile. Voilà. Maintenant, je reviens à ma question. Qui est Jésus-Christ pour envoyer les prophètes? Si Mohamed dit que il a été envoyé par Allah, donc par Dieu, alors, qui est Jésus-Christ pour envoyer les prophètes dans Matthieu 23, 34, et pour envoyer aussi les anges? C'est Jésus-Christ qui envoie ses anges, son ange. Apocalypse 22, 16. Qui est Jésus-Christ? Point d'interrogation. Et cette question est posée à tous les musulmans du monde. Qui est Jésus-Christ pour envoyer le prophète? Il vous reste 25 secondes, allez-y. Ouais. Oui, mais c'est fini. La question, elle reste posée jusqu'à l'Astaras. Aucun musulman de toutes les personnes du monde ne peut répondre à ça. Jésus-Christ reste le Dieu véritable et la vie éternelle. Et en plus encore, il dit ceci, Jésus-Christ, il parle de l'esprit. Il ne parle pas de la chair. Mon frère musulman, Diané, il parle de la chair. Il a mangé, il a dormi, c'est pas ça. Mais son père dont il parlait, qu'il a envoyé là, il était où? Lorsque Jésus-Christ était sur la terre. Ah, Jean 14, 8 merci. À 10. Merci. Deux questions. Merci, monsieur le lion. Monsieur Jean,
Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Je suis là. Je vais essayer. Oui, alors, vous avez alors, 5 minutes. Hein. On vous écoute. Allez-y. 5 minutes parce que j'ai été absent. On aurait pu m'accorder 10 minutes, mais bon. J'ai 5 minutes. Alors, j'allais très vite. Voilà. Alors, qui est le Seigneur Jésus? Dans Hébreux 1:5. Il n'a qu'à répondre à ma question, Jean Wassa. Non, mais de toute façon, tu n'as pas répondu à ma question, donc je t'as pas répondu à ma question. Parce que tu n'as pas été capable de dire est-ce que le verbe a été fait chair, est-ce que c'était un homme. Tu n'as pas répondu à ça, donc du coup, là, donc je ne te répondrai pas là. Je commence donc, du coup, dans Hébreux 1:5, le Fils a été engendré par le Père. Ce qui fait que il y a le Fils et il y a le Père. D'accord? Donc Dieu, il y a le Fils enfanté. C'est-à-dire qu'il a enfanté, il a engendré. Donc, il y a le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu. D'accord? Okay? C'est clou. C'est comme ça. Mais je viens de te dire à l'instant que dans Hébreux 1:5, tu peux aller lire la Bible, tu peux vérifier. Parce que j'ai que 5 minutes avec du temps que j'ai fait. Donc, ne me perds pas le temps, s'il te plaît. Oui, Oussaz, on va lui donner son temps. Allez-y, monsieur Jean. Hébreux 1:5, tu peux vérifier. Donc, du coup, il y a le Père et il y a le Fils. Voilà. Et ensuite, comme dit le Seigneur Jésus, il dit Dieu est esprit. Dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il n'a pas dit le Père est esprit, il dit Dieu est esprit. Donc, le Père est esprit, le Fils est esprit. Et le Père, le Fils est égal au Père, mais n'est pas le Père. Alors, comment je le sais? Vous prenez Jean 17, au verset 10. Il dit, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Ou bien, on veut pas même Jean au verset... attendez. Allô? Donc, on peut même prendre Jean chapitre 16, verset 15, où il dit, voilà, on peut aussi prendre ça là, voilà. Donc, du coup, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, ça veut dire que le Père est égal au Fils, le Fils est égal au Père, mais le Fils n'est pas le Père, le Père n'est pas le Fils. Voilà. Donc, les choses sont très claires. Alors, maintenant, la dernière chose que je dirais, puis je vais maintenant attaquer maintenant Allah de l'islam. Alors, la dernière chose, c'est qu'il y a une seule substance divine, sinon une seule nature divine, une seule essence divine. C'est ça qui fait que tout ce qui est au Père est au Fils, tout ce qui est au Fils est au Père. Voilà. Voilà. Une seule essence divine, c'est ça que dit le Père et moi, nous sommes un. C'est dans Jean 10, verset 30. Le Père et moi sommes un. Dans ce qui parle de un là, c'est en substance, essence divine. Ils sont un en essence divine. D'accord. Maintenant, on va attaquer la question, parce que la question de la divinité du Seigneur Jésus. Tout à l'heure, je disais que Waraka est un chrétien hérétique qui ne croyait pas la divinité du Seigneur Jésus. Il croyait que Jésus était le Messie, n'était pas Dieu, qui a formé Mohammed. Donc, du coup, c'est normal que dans le Coran, on ne puisse pas trouver que le Seigneur Jésus est Dieu. Ça, c'est normal. Vous donnez la preuve où il a formé Mohammed. Faut pas mentir. Où est-ce que la preuve? Mais tu l'as dit toi-même que quand Mohammed est venu, c'est toi qui l'as cité, tu as dit que quand Mohammed est venu, c'est lui qui a dit que l'ange qu'il a vu, c'est l'ange Gabriel. C'est toi qui l'as dit, hein. C'est tes propres propos. Et Waraka, tu l'as formé. Et... D'accord. Donc, du coup, maintenant, je vais attaquer la divinité du Seigneur. On va attaquer maintenant Allah. Qui est Allah de l'islam? Ça, c'est très important. Parce que la question de fond, c'est ça, en fait. Qui est Allah de l'islam? Alors, on va essayer de prendre. Je rappelle une chose, hein. Pour dire au frère juif qui dit que, bon, le Christ. Le canon de la Bible a été établi au 4e siècle. Donc, les ajouts qui ont été faits au 2e siècle, on s'en fout royalement parce que le canon est établi au 4e siècle. À partir du 4e siècle, c'est la Bible qui est là, il n'y a plus de changement. Donc, ce qui s'est passé avant, on s'en fout. Voilà, je lui réponds sincèrement, voilà. Donc, ça, c'est des débats inutiles parce que, bon, ça a été établi, bon, voilà, les rajouts, tout ça. Maintenant, posons la question, maintenant. Alors, je vais pas citer tous les trucs parce que le temps est très court. Alors, dans Isaïe, au verset 44:6, l'Éternel dit, je suis le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Le Seigneur Jésus dit, dans Apocalypse 1, 17-18, il dit, je suis le premier et le dernier. Donc du coup, c'est un attribut de Dieu. Et Allah, dans le Coran, Allah de l'islam, dans le Coran, reprend cela. Parce que n'oubliez pas que le Coran, l'islam est au 7e siècle. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Allah reprend aussi dans ça, hein, dans la sourate 57, verset 3. Donc, il reprend quelque chose que le Christ est attribué. Donc, alors, est-ce que Allah de l'islam est vraiment Dieu parce qu'on ne sait pas qui il est? Alors, je vais dire une chose quand même à mon frère Oussa Diallo. Il peut demander à son professeur Abdul Majid, qui a fait sa thèse en théologie islamique en Égypte sur les religions comparées,
est le professeur Mohamed Raouma, qui était ok, on vous donne 20 secondes, allez-y vite. Qui était ex-doyen de la faculté MINA qui est rattachée à El Azhar. Voilà, il n'a qu'à lui demander qui était. Voilà. Donc du coup, à la pensée là, maintenant je prends quand même une deuxième chose quand même. Je vais prendre une deuxième chose parce que vraiment donnez-moi 30 secondes pour que je termine sur ça. Allez-y, on accorde 30 secondes, allez-y. Vraiment, ouais. Merci beaucoup, voilà. Voilà. À la chose, Dieu dit, je ne donne pas ma gloire à autrui. Il le dit. Il dit, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Voilà. Isaïe, il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. C'est Isaïe 42, verset 8. Ou bien on peut mettre dans Isaïe 48, verset 11. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et pourtant, le Seigneur Jésus dit, et ça c'est très important, dans Jean au chapitre 17, verset 24, la gloire que tu m'as donnée. Donc du coup, ou alors Isaïe ment, mais s'il dit la vérité, c'est Dieu qui lui parle. Donc si la gloire a été donnée au Seigneur Jésus, donc merci. Dieu ne donne pas sa gloire à une créature. Donne sa merci, à Dieu. Merci. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean. Oussa Diané, vous avez vos 5 minutes, on vous écoute. Vous voyez que le gars est en train de dire des choses qui ne sont même pas vraies. Waraka a formé Mohamed. C'est écrit où? Tu as quelle preuve? Tu dis non, c'est toi-même qui a dit. Oui, c'est ça. Il a dit, Waraka, là, dans l'histoire prophétique que nous avons, il a dit que lui, quand l'ange Gabriel a apparu à Mohamed, quand il a été accompagné là-bas, il a dit, ah, c'est le même ange qui est venu à Moïse. Et je ne serai pas, si Dieu me donne l'homme pour être là, de voir tes frères vont te chasser. Avec il allait le former. Qui va le former? C'est Allah qui a enseigné à Mohamed sur la salam. Le prophète Mohamed n'a pas écrit, il n'a jamais écrit, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Et puis il dit qu'il allait se former où? Arrêtez de mentir. Vous dites des choses à l'église, on n'est pas à l'église. Vous êtes en train de faire mathématiques. Le père est égal au fils, le fils est égal. C'est écrit où? Jésus même dit que Dieu est plus grand que moi. Tu dis qu'ils sont égaux. C'est écrit où? Arrêtez de mentir aux gens. C'est ce que vous faites qui est grave là. C'est-à-dire que vous pensez que vous donnez. C'est-à-dire, c'est comme si on est à l'école quoi. Le père est égal au fils. Mais tu dis ça comme ça et puis tu comprends pas. C'est écrit où? Jésus même dit le père est plus grand que moi. Tu dis ils sont égaux. Ce que Dieu fait, Jésus. Tu lis de l'Hébreu 1:5. Auquel des anges Dieu n'a-t-il jamais dit tu es mon fils et encore je serai un père pour toi. Mais c'est quoi? Tu es mon fils là. Est-ce qu'il t'a engendré aujourd'hui? Oui. Est-ce que Dieu engendre? C'est écrit. Mais est-ce que Dieu engendre? Parce qu'engendrer est un acte qui relève du basse fonction du sexe. Mais comme tu as un Dieu humain, je te le concède. Parce qu'avoir un Dieu humain, il faut avoir tous les composants de l'être humain. C'est-à-dire avoir un sexe. C'est-à-dire dans votre conception là même, là, votre Dieu, il est, c'est quoi ça là? Ça veut dire quoi même? Ça chauffe la tête souvent quoi. Lion. Je l'ai bien entendu. Et puis, Jean Wassa, il t'a demandé, mère de Dieu, là, pourquoi tu ne touches pas ça? Tu sais très bien que Jésus est là. Marie est la mère de Dieu, non? Il faut dire ça ici, on va entendre. C'est ce que tu dis à l'église catholique, non? Sainte Marie, mère de Dieu. Il faut dire ça ici, on va entendre. Tu as dit dans Matthieu 24 combien que ouais, Jésus envoie les prophètes. Et là, c'est ce qu'on te dit. C'est pourquoi la Bible, même là, je ne sais pas comment il l'a qualifié. Voilà celle-ci. Luc 11, 49. Toi, tu n'as pas lu ça. Et là, c'est que Jésus dit. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. La sagesse de Dieu dit, je vous enverrai des prophètes. C'est de la même manière, la sagesse de Dieu dit dans Apocalypse 1, 8, je suis l'alpha et l'oméga. Vous ne comprenez ni la loi ni les écritures. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-moi un verset où Jésus dit, je suis Dieu, débat est clos. C'est pas au concile de Nicée, ils sont allés voter pour que Jésus soit Dieu, et puis vous partez l'adorer. Ils sont allés faire élection, et puis Jésus est devenu Dieu, fils de Dieu. C'est lui que vous adorez. Il y a lui, Hébreu, tu dis le Père est esprit, le Fils est esprit. C'est écrit où? Jean Wassa, c'est écrit où? Le Père est esprit, le Fils est esprit. C'est écrit où? Jésus a dit dans Jean 4, 24, que tu as lu, ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous savons ce que nous adorons. C'est Dieu qui parle. Dieu adore qui? Votre Dieu là, il adore qui? Nous savons ce que nous adorons, mais vous ne savez pas ce que vous adorez. Car le salut vient de Dieu. Ça fait un. Dieu le Père est esprit. Jésus dit moi en tant qu'un être humain. D'ailleurs, viens prendre la Bible même pour t'arrêter avec ça. Luc 24, 36 à 37. Jésus dit, touchez-moi, regardez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Tu dis Dieu est esprit, le Fils aussi est esprit. Le Fils même, ça va dire que Jean Wassa, tu ne connais pas la Bible.
tu ne connais pas la Bible. Luc 24, 36, Jésus dit, touchez-moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. C'est Dieu qui a os, qui a sang, qui a la chair. C'est votre Dieu, ce n'est pas Jésus. Tu dis quoi? Le Fils égale au Père. D'accord? Si le Fils égale au Père, là, Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, c'est Jésus-Christ qui parle. Hein? Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tu dis, il est égal au Père. S'il est égal au Père, il doit connaître quand est-ce que le monde finit. Vous pensez quoi même? C'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je te dis encore. Donc, frère, moi, je suis là, je dis, montrez-moi où Jésus-Christ dit, je suis Dieu. Dieu qui parle dans la Bible, dans Ésaïe 46, 9, là. Est-ce que c'était Jésus? Son grand-père n'était même pas encore né. Tu sais que Jésus est descendant d'Abraham? Tu t'apprends le Coran? Oui, le Coran dit, vous fuyez la Bible, tu t'apprends le Coran. Tu as démontré dans le Coran quoi? Oui, Allah est premier, Allah est dernier. Les attributs d'Allah là. Mais attends, si on dit que Dieu n'a pas dit à Exode 7 que Moïse est Dieu, c'est un attribut, non? Est-ce que Moïse est devenu Dieu? Donc les attributs de Dieu même, Jésus n'a même pas... Il reste 30 secondes. Vas-y, Lyon, je t'écoute. Voilà, vous avez vu mon frère Diané, et normalement, c'est important, mais faut parler. Oui, 30 secondes, oui, allez-y. Oui, vas-y. Tu veux que tu as posé une question? Oui, ou ça, c'est à 30 secondes, non, il vous donne les 30 secondes. Parce que c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, toi tu dis, Jésus a envoyé les prophètes. Dans la Bible, qui a envoyé Jésus-Christ? Jean 17, 3, qui l'a envoyé? Voilà, je vais te répondre. Avant de te répondre, je vais lire encore ce que j'ai lu, on n'a pas compris. La soit 5:47 là, je te lis ça, tu vas bien comprendre. C'est pas à toi d'expliquer les versets. Il dit, il faut me dire qui a envoyé Jésus-Christ dans Jean 17, 3. Je vais te répondre. Dans ma question, avant de te répondre. Je t'ai dit verset biblique. J'ai dit, avant de te répondre là, laisse-moi, tu perds le temps là. Laisse-moi te répondre. Avant de te répondre là, le Coran dit dans la soit 5:47 là, c'est pas à toi d'expliquer les versets. Tu n'as rien à dire, Diané, ni toi, ni Abdul Majid, vous n'avez rien à dire. Vous taisez et puis nous, toi, on vous explique. Explique Jean 17, 3. Explique quoi Jean 17, 3. Jean 17, 3. On va le lire ensemble. Et puis je vais t'expliquer ça. Tranquillement. Oui, je vous accorde. Une minute, pardon. Oui, je vous accorde. Ok, une minute, allez-y. Lise, verset. D'abord, folie, fais t'expliquer en même temps. Folie, fais la lecture. Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Oh, la vie éternelle. Qui est la vie éternelle? C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle d'abord. D'accord? Ce n'est pas lui. C'est Jésus-Christ qui est... Voilà. Oh, la vie éternelle. On parle de qui, là? On parle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est la vie éternelle. Il dit, écoute-moi. Il dit, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle. Ce n'est pas la vie de la rue. Il a ajouté quoi? Et il dit, lui, il devient à qui? Apocalypse. Lui, il devient à qui? Il dit quoi? Hein? Quand il a ajouté quoi? Jean 14, 6, là. Lui, il devient à qui? Lui, il devient au Père. Mais le Père où? Qui est le père? Le père, t'es où? C'est l'esprit qui est en lui. Je t'ai pas dit le père, c'est qui? C'est la vie. C'est pas ce qui est écrit. Il faut pas interpréter. Oh, c'est ce qui est écrit. Jean 17, toi, là, qui a envoyé Jésus-Christ? Voilà ma question. Jean 17, toi, tu vas pas tromper les gens ici. Qui a envoyé Jésus-Christ? Non, c'est tout ce qu'il veut savoir. Voilà, celui qui a envoyé Jésus-Christ, là. C'est lui-même. C'est l'esprit qui envoie le corps. Faut montrer ça dans Jean 17, 3. Moi, ça dans Jean 17, 3. Mais je vais t'expliquer. Tu peux t'expliquer, Parce que le verset dit que, et celui que tu as envoyé, tu là, c'est qui? Voilà, c'est la chair, c'est le corps qui l'a envoyé. D'accord? Non, l'esprit, écoute-moi. Écoute, je vais t'expliquer. Le Coran dit que c'est nous qui devons vous expliquer. Donc écoute. Jésus, écoute-moi. Écoute. Écoute, frère. Bah, vous posez 1000 questions, puis on ne peut pas expliquer. Ok, on va revenir tout à l'heure avec vous. Laisse-moi finir d'abord. La vie éternelle, là. C'est Jésus-Christ lui-même. Allez-y. Ok, on va revenir tout à l'heure. Voilà. Monsieur Yahwasap, on vous écoute.
vos 5 minutes, excusez. Hein. Mais entre, oui. Il nous reste 15 minutes. Hein. Oui, oui, 15 il va minutes. Être 21h, donc on a, ça fait 2 heures déjà. Non, non, on est maintenant à cette partie maintenant de 5 minutes de Yawasap. Après, on va venir maintenant sur la phase d'affrontement entre vous. 15 minutes après, les auditeurs, on termine cette édition. Émission, monsieur Yawasap, quelle est votre version pour les 5 minutes? Oui, je vais rebondir sur ce que vient de dire Oustaz. Donc, quand il dit Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. » La vie éternelle, ce n'est pas Jésus-Christ. Hein. La vie éternelle, ce sont les commandements de Dieu. Donc, c'est Dieu lui-même. Donc, pour compléter cela, je vais reprendre Jean 12, Jean chapitre 12, verset 49. Qu'est-ce que dit Yeshua ? Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. 2. Jean chapitre 14, verset 1, versets 24, 28 et 31. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça fait combien? 2. 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ça fait combien? 2. Il est en envoyé. 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous. Partons d'ici. Il agit selon l'ordre que le Père lui a donné. Qui c'est qui est le Père? Dieu. Il a choisi qui? L'envoyé. Ensuite, rapidement, Jean chapitre 20, verset 17. Et verset 31. Yeshua lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 2. Distingue bien Dieu, qui est le Père, et Yeshua, qui est le Fils, un envoyé. Ensuite, Jean, il est où là? D'accord. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 17. Yeshua, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» Si vous n'écoutez pas ce passage-là, il dit qui il est. Et sur cette base-là, vous devez étudier les évangiles. Yeshua est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Pas Dieu, le Fils de l'homme. Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Verset 15. Et vous leur dit-il, les apôtres qui étaient présents avec lui, pas vous qui contredisez. Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, c'est-à-dire le Mashiach, le Fils du Dieu vivant. Pas dans le sens, il a eu un enfant. Hein? Yeshua, prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Qui est son Père? Dieu. Alors, Jean 5, versets 2 et 3. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. On ne parle pas de Yeshua là, on parle de Dieu toujours. Il dit, dans Luc chapitre 11 verset 20, parole de vie, « Mais moi, c'est Dieu qui me donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais, donc le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Je crois que c'est Jean chapitre 7 verset 16 à 17, si ma mémoire est bonne. Yeshua dit, « L'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut sera sous mon enseignement bien de Dieu ou si je parle en mon propre nom. » Version Bible en français courant. Vous comprenez?
L'enseignement que je donne ne vient pas de moi, mais de Dieu qui m'a envoyé. Celui qui est disposé à faire ce que Dieu veut saura, mais il faut être disposé à savoir ce que Dieu veut, ses commandements. À ce moment-là, saura, si je parle en mon propre nom, il ne parle pas en propre son nom. L'enseignement qu'il donne vient de Dieu. Dieu l'a envoyé. Et si vous êtes disposé à faire ce que Dieu veut, vous saurez si son enseignement vient de Dieu ou s'il parle en propre son nom. Je m'arrête là-dessus, je vous laisse le temps pour continuer. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci Oussa Diané, Monsieur Le Lion et Monsieur Jean. Je pense que la divergence est à votre niveau. Alors, on vous accorde 15 minutes. Oussa Diané, 15 minutes d'échange avec vous. D'abord. Non, c'est fini les temps. C'est fini. Maintenant, on est arrivé à ce temps. Maintenant, 15 minutes. Non, pour les téléspectateurs. Non, écoutez. J'ai eu que 10 minutes au total. Écoutez, les 15 minutes, nous allons maintenant donner ça à vous. Jean, qui est de catholique, et Monsieur Le Lion, qui est de l'évangélique, et Oussa Diané, qui est musulman, la divinité de Jésus-Christ. Vous avez 15 minutes pour les téléspectateurs qui vous regardent et démontez à eux qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. On vous laisse le compteur. Allez-y. Voilà. On va se poser des questions sur ça. Jean Wassa, calmez-vous, s'il vous plaît. On va ordonner le débat. Jean Wassa, en fait, c'est le temps. On a perdu votre temps. Normalement, on a perdu. Écoutez. S'il ne veut pas, on passe à quelqu'un d'autre. On a terminé. C'est le temps. C'est le temps. Écoutez, on est en direct. Écoutez, on est en direct avec les téléspectateurs. On a perdu le temps avec vous quand la connexion n'était pas bien. On a fait continuer les compteurs. Il faudrait qu'on termine cette émission. Vous avez 15 minutes. Questions, vous pouvez vous poser des questions pour les téléspectateurs. Allez-y. Ouais. Voilà. C'est ce que je disais. Si je pose une question à Jean Wassa, il n'a qu'à me répondre clairement parce qu'on nous écoute. S'il me pose une question, je lui répondrai clairement. Je veux que ça soit ordonné. Nous sommes des responsables. Il ne faudrait pas que je te pose une question. Tu vas commencer par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, alors que la question est tout près. Il faut qu'on gagne du temps. On n'a pas assez de temps. Lyon va être amené à me poser des questions. Je lui poserai des questions comme le frère, hein, qui va être là aussi. Jean Wassa, je vous pose une simple question et puis on va avancer. Vous allez me poser également une question. Ensuite, écoutez-moi. Il a dit 15 minutes. 15 minutes. Non, il n'a pas dit 15 minutes. 15 minutes. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, écoutez, vous avez 15 minutes en total. Voilà, 15 minutes en total pour vous échanger. Exactement. Mais pour que ça soit ordonné là, parce que si on a enclenché tout de suite, ça va être du 2 heures. Voilà pourquoi je vais ordonner, parce que l'animateur va s'éteindre. Je poserai une question à Jean Wassa claire devant les auditeurs. Il va me répondre de façon claire, parce que ma question serait précise. Lui aussi, il va me poser une question précise. Je vais répondre ainsi de suite. Je vais aller vers Lyon. Je vais lui poser une question claire, précise. Il va me répondre, gagner temps. Il va faire vice-versa. J'ai pas mes lunettes. C'est pour ça que j'essaie un peu les yeux. Donc, ça, là, c'est un peu je lourd. Commence donc, alors. Je commence le premier. D'accord, Jean Wassa, je vous pose la question. Est-ce que chez vous, à l'église catholique... Non. Je commence le premier, la question. C'est pas comme ça. Bon, pose ta question. Pose ta question. Allons-y. Alors, on va prendre l'épître de Saint Jean. On va prendre donc la deuxième épître de Saint Jean au chapitre 5, verset 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il a donné l'intelligence afin que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, dans le Fils Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que tu reconnais là que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, en fonction de ce que j'ai lu? C'est ta question, non? Oui, Oussa Diané, je te réponds. Simplement, il n'y a pas de problème. L'écriture est vraie. L'écriture est claire, c'est écrit. Mais j'ai dit non, Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable dans ce passage. J'ai dit bien. Voilà, vous allez voir que je suis précis. Et puis je suis concret, et puis pourquoi on avance? Parce qu'il y a Lyon qui est là. Il est écrit qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais ici, dans la version des témoins de Jéhovah, on n'a pas dit c'est lui le Dieu véritable, mais ils ont plutôt dit c'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça fait un. C'est pourquoi
Je vous ai demandé, lisez-moi le texte original, débat est clos. Maintenant, si on dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable, comme Jean Wassam veut le concevoir, mais le même Jésus-Christ dit dans Jean 17, 3, « Toi, le seul véritable Dieu. » Mais quand il dit « toi » là, est-ce que c'est lui-même? Il dit « toi » parce que les disciples vont dire dans Jean 17, Jean 1, Jean 5, 20, « Nous savons que le Fils de Dieu est venu. » Ils n'ont pas dit que c'est Dieu qui est venu. On dit c'est le Fils de Dieu qui est venu. Il nous a donné l'intérieur pour connaître le véritable. Effectivement, nous sommes en union. Voilà ça ici, c'est écrit. Nous sommes en union avec le Dieu véritable. C'est là. C'est là. C'est pas lui, c'est là. Témoin de Jéhovah. Maintenant, Jean 17, Jésus-Christ confirme. Ce ne sont pas des chrétiens, les témoins de Jéhovah. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Voilà pourquoi. Je vais vous poser maintenant ma question. J'ai répondu à la question. Ici, on dit c'est là. Chez toi, on dit c'est lui. Ok. Ma question de savoir. Doucement avec moi. Moi, j'utilise la Bible que je veux. Hein. Je ne suis pas chrétien. Donc, j'utilise la Bible que je veux. C'est chez vous, il y a pas là. Si c'est un musulman, il va prendre le Coran. Quel que soit le Coran, il va prendre le Coran. Je pose ma question, Jean Wassam. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Voilà ma question. Tu es catholique, hein? Tu es catholique. Oui, je suis catholique, je te réponds. Donc, est-ce que Marie est la mère de Dieu? Non, tu m'as posé la question, laisse-moi te répondre. Tout à l'heure, tu as développé, non? Laisse-moi te répondre. Tu es d'accord avec moi? Laisse-moi te répondre. Dans Galates, au chapitre 4, verset 6, on dit il est né de la femme. Ça veut dire quoi, il est né de la femme? Ça veut dire que le Fils de Dieu, qui est esprit, est descendu dans la Vierge Marie et il a pris chair de la Vierge Marie, qui fait qu'il est devenu homme. La première question que je t'ai posée, que t'as pas voulu, à laquelle tu n'as pas voulu répondre, parce que tu sais de tricher, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc, il a pris chair de la Vierge Marie. Ce qui fait que, effectivement, celui qui est envoyé, pour répondre en même temps à notre frère, celui qui est envoyé, c'est le Fils, c'est l'homme Jésus qui est envoyé, qui est vrai homme. Ce n'est pas ma question. Parce que c'est lui. Non, mais je réponds. Je te répondais à ta question, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Quelle était ma question? Mais il répond comme il veut, Diane, laisse-le répondre, il répond comme il veut. Non, on a dit, on est quatre sincères, on est en direct là. Mais je suis vrai, je suis devant Dieu, je ne peux pas mentir devant Dieu. Je t'explique ce que tu ne comprends pas. C'est ta réponse. Il est né de là, donc il a pris chair. Et ce qui fait que, donc je reprends en même temps le truc là. Donc du coup, comme il a pris chair d'elle, et c'est l'esprit, le Fils qui est esprit, qui est descendu dans la chair, qui a pris homme. Et c'est ça l'homme qui t'a envoyé. Donc du coup, en cela, il est vrai Dieu, vrai homme. Et comme il est vrai Dieu, homme, la Vierge Marie est la mère de Dieu. C'est ce qu'Élisabeth lui dit. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur soit venue à moi? Voilà. Je reprends ta question. Et moi, je suis sincère. Donc, en conclusion, Marie est la mère de Dieu. Mais c'est ce que je viens de dire à l'instant. Toi, tu n'es pas sincère. Il confirme que Marie est la mère de Dieu. Mais je suis catholique, il n'y a aucun souci, je vais t'expliquer. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Toutes les générations me diront bien heureuse. J'ai compris, c'est la seule femme au monde, dans la Bible. J'ai compris. Toutes les générations diront bien heureuse. Alors, monsieur Jean Wassa, on a compris. Voilà. Vous essayez d'encadrer, monsieur Jean Wassa, que chacun, quand il pose des questions, qu'il écoute l'autre pour que vous puissiez partir vite avec les 15 minutes d'échange avec vous. On va continuer avec vous. Allez-y. Lyon. Oui, chef. Est-ce que tu as une question précise à me poser? Parce que j'ai une question précise à te poser. Oui, si je te pose une question, le débat est fini. Hein. Non, on si est là pour parler. Oui, je te dis, si je te pose une question, en tout cas vraiment, parce que effectivement, ça fait longtemps, depuis fort longtemps, on n'a pas le temps de parler, mais je te pose une question, le débat est fini. Voilà, donc je te pose la question. Je t'ai demandé, est-ce que tu as une question précise à me poser? Parce que moi, j'ai une question précise à te poser. Oui, je te pose une question précise, après, tu as me poser une question si tu veux. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça, hein, frère. Moi, ma question est à savoir. Donc, je vais te poser une question. Tu veux poser la question? Vas-y alors. Vas-y. Est-ce que Marie est la mère de Dieu? Jamais. Merci. Qu'est-ce que tu dis? Écoute-moi. Laisse-moi te répondre. Tu poses ta question, tu me laisses te répondre. Tu as répondu. Voilà. Non, laisse-moi te répondre. J'ai commencé, j'ai pas fini. Alors, qu'est-ce que dit Jean 4, verset 24? Moi, je t'écoute. Hein. Moi, j'ai déjà eu ma réponse. J'ai eu la réponse.
Mais il faut que les gens qui nous écoutent comprennent. Je t'ai dit que Non, tu peux parler, hein, tu peux parler. Mais moi, j'ai déjà eu ma réponse. Tu peux parler. Ok, d'accord. J'ai déjà répondu. J'ai dit jamais Marie peut être la mère de Dieu. Parce que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Le ciel et la terre et tout ce qui va avec. Donc, il ne peut jamais être Marie. Écoute-moi. Jean-François, il dit ce qu'il pense. Ce qu'il lui a enseigné. Les catholiques, là, c'est pareil, les musulmans, ils sont tous pareils. Donc, ils n'ont rien compris. Voilà. Donc, nous, les gens de l'évangile, là. Il t'a répondu, hein. On est dans un débat de 15 minutes, on est trois. On est trois. Jean-François, tu peux le répondre, hein. Il dit que tu n'es pas chrétien. Non, je n'ai pas dit ça. Ils n'ont rien compris. Voilà ce que j'ai dit. Ah, ok. Jean-François, tu n'as rien compris, que tu es un musulman. Voilà. Parce que la compréhension, là, la compréhension de l'écriture, c'est important. Voilà pourquoi le Coran dit dans son texte 47, il faudrait que les gens de l'évangile sachent que ce sont les gens de l'évangile qui doivent juger les paroles de Dieu. Donc, c'est pas n'importe qui. Mais je ne réponds pas. Marie est la mère de Dieu. Jamais. Compris, laisse-moi finir de répondre. Marie ne peut jamais être la mère de Dieu parce que Dieu est esprit. Jean 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. D'accord? Un esprit ne peut pas être enfanté par une mère, par une femme. C'est pas possible. Donc, Dieu ici, écoute-moi bien. Voilà, Dieu ici, c'est l'esprit. Et Jésus, c'est la chair. Et on dit bien dans Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et au verset 14, cette parole a été faite chair. Et elle habite parmi nous plein de grâce et de vérité. Donc c'est l'esprit qui est Dieu. Et qui a fait venir la chair dans laquelle il est. Donc quand Jésus-Christ dit dans Jean 3, verset 6, la Bible dit ceci. Et que ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Et dans Matthieu 1, 18 à 20, on voit que Jésus-Christ de Nazareth, il vient par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'il est venu. Donc, il sort du Saint-Esprit. D'accord? Donc, Jean-François, la Bible est très claire. Marie ne peut jamais, en aucun cas, être la mère de Dieu parce que Dieu, il n'est pas d'accord. Jean-François n'est pas d'accord. Mais ce n'est pas lui qui doit... Tu dois dire s'il n'est pas d'accord. C'est la Bible qui doit dire s'il est d'accord ou il n'est pas d'accord. Voilà. Il est là. Son il n'a pas parlé maintenant. Jean-François, tu n'as pas dit que Marie est la mère de Dieu. Il faut répondre maintenant. C'est pas possible. Non. La seule chose que j'ai Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. On peut pas avancer un esprit. C'est pas possible. Non. La seule chose. Ah, voilà ce qui est là. Et c'est ce que la Bible a dit. On peut pas avancer un esprit. Quand il dit la Marie est la mère de Dieu. Alors que vous êtes tous chrétiens. Non, il dit que nos pères musulmans. Il dit que les catholiques là, c'est la même chose que les musulmans. Ils n'ont rien compris. Ah. Donc Jean-Vincent, faut te convertir à l'islam en même temps. Voilà le lion, il t'a classé. La seule chose que je dirais à mon frère le lion. La seule chose que je lui dirais à mon frère le lion, Vas-y. C'est ça que j'ai. On t'entend pas bien. Allô, vous m'entendez mieux, garçon, là, s'il te plaît. Vous m'entendez mieux? Allô? Oui, voilà, c'est bon maintenant. Voilà. La seule chose que je dirais à mon frère lion, c'est que la chance que nous avons, c'est que nous, les catholiques, c'est ça la chance que nous avons. On est au commencement de toute chose, c'est-à-dire que. On a toutes les traditions, on a toute la Bible. C'est pas ça, il a demandé. Pourquoi tu dis Marie est la mère de Dieu? Il dit jamais. Attendez. C'est une abomination. Laisse-moi finir. Et tout à l'heure, d'accord, je disais que dans Luc 1, elle dit toutes les générations me diront. Tu me dis la mère de Dieu. C'est la seule femme au monde qu'on dit. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et si tentation, très bien, quand Élisabeth s'adresse à la Vierge Marie, il dit, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, le Seigneur est S majuscule, le Seigneur, d'abord... Mais Seigneur, là, c'est pas Dieu. Attends, non, laisse-moi finir. Attends, tu me dis de répondre et tu es en train de parler. Et comment se fait-il que Élisabeth sait que la Vierge Marie est enceinte? C'est que l'Esprit Saint lui a révélé cela, parce qu'elle ne peut pas le savoir, puisque elle était à peine enceinte, donc on ne pouvait pas voir cela. Donc du coup, voilà. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, qui n'a pas compris mon frère, et que j'explique tout à l'heure, que nous les catholiques comprenons, ça veut dire que j'ai dit tout à l'heure que celui qui est venu dans le sein de la Vierge Marie, comme dit Galates 4, verset 6, l'Esprit est descendu dans la Vierge Marie, et il est né d'une femme, ce qui fait qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Donc c'est qui fait qu'elle devient la mère de Dieu. Il devient vrai homme et vrai Dieu. Jamais. En cela,
Elle est mère de Dieu. Mais tu sais, mes frères évangélistes, mes frères chrétiens évangélistes, en fait, parfois ils se trompent même sur la Trinité parce que le Christ, parfois le Christ parle en tant qu'homme, en tant que Dieu. Et je vais donner des exemples. Et justement, je vais répondre par rapport à cela au frère tout à l'heure qui disait, au frère israélite qui disait qu'il n'y a que Dieu. Alors le Christ dit, vous savez, le Fils. Qui est au départ vrai Dieu. Pour répondre, je répondrai à deux questions en même temps. Il dit, le Père est plus grand que moi. Oui, mais c'est en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Le Père est plus grand que lui parce que en cela, il est vrai homme et vrai Dieu. C'est-à-dire qu'il est homme et Dieu. Donc, du coup, en tant que cela, il s'est abaissé, comme dit... Mon frère, il faut vite finir parce qu'on va attaquer là. Voilà, Dieu t'attend là. Tu n'as pas répondu à sa question. Dieu dit que jamais. Et puis tu n'arrives pas à répondre. Jawasa, tu es incapable de dire que maman est la mère. Marie est la mère de Dieu devant le lion. Mais attends, où ça se calme-toi. Donc maintenant, le Christ, donc, il est vrai homme et vrai Dieu. Et il dit lui-même. Parce que le Fils qui n'est pas fait homme, parce que le Fils n'est pas fait homme, et le Père ont envoyé le Fils qui est fait homme. Puisqu'il dit dans Jean 12, verset 44-45, celui qui me voit, celui qui m'a envoyé. Autrement dit, le Père a envoyé le Seigneur Jésus homme, le Fils également a envoyé le Seigneur Jésus homme. Donc du coup, en cela, vous pouvez aller vérifier, j'ai les référents pour que vous puissiez vérifier, en cela, la Sainte Vierge Marie, comme elle dit, toutes les générations, j'ai même mon frère au défi de trouver une seule femme dans la Bible, hein, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, une seule femme à qui la Bible dit toutes les générations me diront bienheureux. Toutes les générations. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier. Ah, Lyon, il t'a lancé des défi, hein, voilà. Il peut vérifier dans la Bible. Mon frère, attends, arrête un peu là. Écoute-moi un peu, frère. Et j'apprécie beaucoup, hein. Mais quand on vient sur un plateau ici, pour parler de la spiritualité, il faut être beaucoup sérieux. Est-ce que tu peux me dire que Marie perd ce Dieu? Voilà. Est-ce que tu peux me dire que Marie perd? Donc, écoute-moi. Quand il parle comme ça, là, c'est une abomination et c'est un blasphème. Parce que Dieu, écoute-moi, s'il te plaît. Ne me coupe pas la parole. Écoute-moi. Quand il parle tout à l'heure, on t'écoutait. Laisse-moi te dire une chose. Si tu ne sais pas qui est Dieu, ce soir, là, tu vas savoir qui est Dieu. Dieu est esprit. Quelle femme qui peut accouter un esprit? Ça veut dire que t'es déjà rentré en mousse. T'es allé, t'as voyagé. T'as déraillé même. Qui peut accoucher un esprit? Impossible. La Bible dit ceci. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Et c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il a créé le ciel et la terre et tout ce qui va avec. Et Marie était où? Il faut lire Proverbe 8. D'accord? Il faut lire Proverbe 8, 22. Tu dois comprendre où était Jésus-Christ au départ. Dieu étant un feu dévorant, il ne pouvait pas concevoir et créer le monde pendant qu'il était encore un feu dévorant. Alors il s'est créé un corps dans lequel il est. D'accord? Et il commence à créer maintenant à partir de ce corps pour ne pas que tout ce qu'il va créer se dévore par la flamme divine. D'accord? Voilà. Donc Dieu est esprit. Esprit esprit qu'il est, on le voit même dans Jean 1:1 jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole. On n'a pas dit au commencement était le fils de Marie. On dit au commencement était la parole, pas le fils de Marie. Et dans Matthieu, écoute bien, dans Matthieu 1, 18 à 20. Il vous reste deux minutes. Allez-y. C'est très clair. Deux minutes. Et que Jésus-Christ de Nazareth. Une question à poser. Oui, vas-y. Voilà, on va donner deux minutes. Allez-y. Oui, allez-y. Y'a WhatsApp. Vous m'avez écarté du débat là-dessus. Là. Non, y'a WhatsApp. C'est pas on va parler. C'est une stratégie, en fait, qui est là. Les deux personnes. Vous pouvez venir dans ces cas-là. Oui, les deux minutes. Allez-y. Vous avez les deux minutes. Vous pouvez poser des questions à ces trois invités. Allez-y, on vous écoute. Mes frères, lorsque vous faites un débat, si vous m'invitez, ne me mettez pas à l'écart. Même si vous devez débattre entre vous. Ne me mettez pas à l'écart. Non, c'est la question. La question n'était pas adressée à toi. Juste un minimum de courtoisie. Oui, tout frères, à fait. Tout à fait. Mais en fait, question. J'ai une question à poser. Voilà. Allez-y. Rapidement. La question est dans deux versets. Jean chapitre 5, verset 37. Et aussi
comment dire, exotrant. Alors, Jean 5, 37. « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Dans Exode 33, 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » La question que je pose à mes frères chrétiens, tous ceux qui marchaient avec Jésus, Yeshua, à ce temps-là, ils l'ont vu. Est-ce qu'ils sont morts? Puisque Dieu nous dit, « Vous ne pouvez pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Donc, est-ce que ceux qui étaient au temps de Jésus, ils l'ont vu, puisque pour vous, Jésus est Dieu. Ils l'ont vu de près. Pourquoi ils ne sont pas morts? Voilà, je vais te répondre rapidement et puis on va avancer. Non, je peux répondre rapidement. Très, c'est une question, c'est trop facile ça, frère. La Bible dit ceci. La question, elle est posée ou pas? D'accord, vas-y. Vas-y, frère. Tu sais, oui, elle est posée, vous pouvez y aller. Le Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Personne ne peut voir l'essence divine. L'essence divine, là, on ne peut pas le voir. C'est tout. Tu vois, l'âme d'une personne, on ne peut pas la voir. Un autre humain ne peut pas la voir. Donc, l'essence divine, on ne peut pas voir. Donc, ce que les gens voyaient en face d'eux, là, c'est un homme. Mais dans cet homme-là, il y avait l'essence divine qui fait qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est pour ça qu'ils le voyaient. C'est tout. Et même quand Dieu apparaît souvent, si tu prends l'Ancien Testament, il apparaît souvent dans des formes corporelles pour qu'on puisse le voir. Quand. Si bien que même, tu parlais bien dans Exode 33, Moïse a c'est demandé... Écrit, mais, c'est écrit où ça? C'est écrit où? Ça s'accorde à la philosophie. C'est écrit où ce non, que non, vous non. dites? Mais je réponds à ta question. Moïse a demandé dans Exode 33, laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire. Ton essence, laisse-moi voir ta gloire. Parce que ton essence, il dit, tu ne peux pas voir mon essence, ce n'est pas possible. Si tu me vois, tu vas mourir, ce n'est pas possible. Donc le Seigneur Jésus qui est en face des hommes, il voit un homme. Mais l'essence qui est en lui, qui est divine, hein, ils ne peuvent pas l'avoir, c'est tout. C'est pas ce que vous me sortez là, j'ai appris ça aussi à l'église catholique hein, quand j'étais comme vous. Hein. Non, mais je forme les catholiques. D'accord, ça n'existe pas ce que vous racontez là, c'est encore de la philosophie. Mais si, hein. je te donnais la Dieu dit référence. Que vous ne pouvez pas le voir et vivre. Yoshua vous dit non plus divine. Que personne n'a jamais vu. Ben moi, je vais répondre, frère, je vais répondre rapidement là. Excuse-moi, frère, je vais répondre. Je vais répondre correctement là. Voilà, il nous pose la question à savoir que Dieu dit que si on le voit, on va mourir. Et pourquoi on a vu Jésus-Christ et puis les gens sont pas morts? C'est trop simple ça. Faut prendre Deutéronome 4 verset 24. Et je vais lire la lecture, tu vas bien comprendre. Jésus est Dieu là, sa nature réelle là, il est esprit, tout feu, tout flamme. D'accord? Voilà, Deutéronome 4 verset 24 dit ceci: car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Tu peux vérifier, hein, frère. Faut vérifier Deutéronome 4, verset 24. Oui, mais continue. Ça veut voilà. dire quoi? Donc, c'est pour te dire simplement que Dieu, à la base, il est esprit, tout feu, tout flamme, d'accord? Et c'est pour cela qu'il se crée, il se forme un corps dans lequel il est. Parce que Dieu, là, ce n'est pas un corps. Dieu, c'est l'esprit, c'est la vie. Comme le dit Jean 1, verset 4, que la parole, c'est la vie. Et c'est la lumière des hommes. Jean 1, 4. Tu peux vérifier encore. Donc, c'est pour ne pas que Dieu, si on le voit dans sa forme naturelle, esprit tout feu, tout flamme, comme le dit ici Deutéronome 4, verset 24, c'est un feu dévorant. Alors, comme il a tout pouvoir de prendre n'importe quelle forme qu'il veut, on appelle ça les théophanies de l'esprit. Comme il est venu voir, Abraham, il est venu en chair et en os. Il est allé voir, Jacob, il est venu sous forme d'ange, ange de l'Éternel. Tu vois, donc au fur et à mesure qu'il vient sur la terre, puisque c'est un feu dévorant, il prend une forme dans laquelle il vient, qu'on appelle l'théophanie. Voilà, donc ici, c'est très clair. On ne peut pas discuter avec ça. Que Dieu, il a le pouvoir, la capacité frère, de prendre n'importe quelle forme que pour venir là. Vers un homme. Mon frère, c'est pas clair ce que tu racontes là. Deutéronome 4, verset 24, folie. Tu es le seul, c'est un feu dévorant. Ce que tu dis. Non mais, c'est toi qui ne veux pas comprendre dit, après. Si tu ne veux pas comprendre, c'est pas moi, je vais rêver pour toi. Voir et vivre. Yoshua vous dit oui, parce que c'est un feu dévorant. Voilà, maintenant, celui qu'on voit Jésus là, c'est la chair qu'on voit. Oh, le feu dévorant même là, l'esprit qui est Dieu lui-même là, il est dans le corps. On ne peut pas voir l'esprit, puisque l'esprit qui est le feu dévorant est dans le corps. Et il s'est dépouillé. Éphésiens 2, verset 5 à 9. Il s'est dépouillé de sa gloire. D'accord? Éphésiens 2, verset 7. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de quoi? De cette puissance. Cette flamme
C'est cette lumière-là. Il s'est dépouillé de cela et il est venu comme un simple homme. C'est écrit. Éphésiens 2, 5 à 7. Merci. C'est tout est écrit. Attends, écoutez, attends. Voilà. Merci. Juste ça. Juste. Ça prend 30 secondes. Juste okay, ça. Ok, allez-y. Vas-y, frère. Yoshua vous dit. Juste ça. Yoshua dit exactement. Oui. Il dit exactement que. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. Est-ce que Yoshua a dit ce que tu viens de me dire là? Il n'a pas dit c'est ça. C'est écrit, est-ce qu'il lui dit là? Il te dit clairement que vous ne pouvez pas voir sa face et vous ne pouvez pas entendre sa voix. Donc, si le disciple n'est pas la même chose que Yoshua, on met de côté cela. Tout non, mais tu ne comprends pas ce qu'on te dit ou quoi? Sera comme son maître. Il n'a jamais dit cela. Yoshua n'a jamais dit cela. Celui que vous appelez Dieu n'a jamais dit ce que vous dites là. Vous prenez Éphésiens, vous prenez Colossiens, vous prenez tout ce que vous voulez. Il n'a jamais dit quoi? Paul qui parle comme ça. Paul n'était pas avec Yoshua, avec les 12 apôtres. Il n'était pas là, Paul. Il a dit comme quoi qu'il a reçu les paroles de Monsieur, Yoshua. Mon frère, il faut prendre 2 Pierre 1, 21. Vous vous basez énormément sur Paul, mais Paul contredit énormément les apôtres et Yoshua. Et même les 12 apôtres ont repris Paul à un moment donné. Ils ont repris Paul plusieurs fois par rapport à cela. Donc moi, je il dit, mon ami, tu vas t'enseigner aujourd'hui. Tu ne vas pas comprendre que... Écoute-moi. Vous ne pouvez pas entendre sa voix. Et tu vas vers Paul pour me dire que Paul a dit ça. Le disciple n'est pas plus grand que on ne peut pas voir l'esprit. C'est l'esprit qui est en lui qu'on ne peut pas voir, frère. On ne peut pas voir l'esprit qui est en lui. C'est l'esprit qui est en lui dont il parle. Il parle de l'esprit qui est en lui. Conception. Toi, ton esprit. Vous non, mais toi, ton esprit, est tu peux le voir. Vous suivez l'évangile de Paul plus que les 12 apôtres et que le mec qui s'appelle Yoshua. Yoshua est au-dessus des apôtres. Yoshua est au-dessus de Paul. Les 12 apôtres sont au-dessus de Paul. Il y a on valide, on valide. Difficile à comprendre que les j'ai gens dit, on valide l'écriture. Sort des sans écriture. L'apôtre Pierre vous le dit. Oh là là. Mais c'est toi merci, qui sors l'écriture. Merci maintenant. Deux pieds, un ben est-ce que vous me permettez juste, est-ce que vous me permettez juste de prendre les auditeurs? On peut les informer. Non, parce mais là, on a fait, il va vous poser ma question. Non, temps, il va vous poser ma question. On ma a plus du temps. Il va pas poser des questions encore. À la conclusion, il peut, vous allez échanger parce que là, non, mais moi, j'ai pas posé des questions encore. Pas... Non, frère. Non. Écoutez, on va revenir. Non, vous pouvez poser des questions. Ben, ok, on va maintenant. Ok, allez-y. On vous donne. Voilà. Ouais. Donc, je pose la question à nos frères musulmans, là. On va prendre acte 9, 3 à 5. Diane. Ah, ça a chauffé ce soir-là. Hein. Diane, écoute très bien. Le Coran nous dit que Allah est lumière. Jésus aussi dit qu'il est la lumière. Jean 8, verset 12. Ok? On va voir vraiment si Allah est la lumière, c'est qu'il est Dieu. Mais s'il n'est pas la lumière, il n'est pas Dieu. Mais celui qui serait la lumière et qui va nous dire son nom, c'est le nom effectivement du Dieu véritable, créateur du ciel et de la terre. Alors nous allons lire cette écriture-là et on va voir devant tout le monde que tous les musulmans se connaissent hein, pour voir ça. Voici ce que j'ai réservé. La bombe. Acte 9, verset 3 à 5. Et c'est parti. Comme il était en chemin, il s'agit ici de Paul, qui s'appelait autrefois Saul de Tarse, qui allait persécuter les chrétiens. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière. Alléluia. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Puisque Allah dit qu'il est lumière, et que Jésus-Christ aussi dit qu'il est lumière, et qu'aujourd'hui on nous parle de qui est vraiment Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'il est vraiment le Dieu véritable ou la vie éternelle? Il va nous dire, cette lumière-là, s'il dit que c'est Allah qui dit que c'est lui qui est la lumière, c'est que c'est Allah qui est Dieu. Si c'est Jésus-Christ qui dit que c'est lui, Jésus-Christ qui est la lumière, c'est que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Alors je poursuis la lecture. Mais ils vont comprendre aujourd'hui. Alors je poursuis la lecture. Acte 9, verset 4, au suivant. Il tomba par terre, quand il a vu cette lumière-là, qu'il a ébloui, il tomba par terre, donc Paul tomba par terre, et il entendit une voix. Écoutez, hein? Paul a entendu une voix de cette lumière-là, qu'il a ébloui. On dit, Allah est lumière. Jésus aussi dit qu'il est lumière. On va voir quel est le nom qu'on va entendre de la part de cette lumière. Alors, il tomba par terre, Paul, et il entendit une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Question qu'il pose à la lumière. Si effectivement cette lumière-là, c'est Allah, Allah va dire oui, je suis Allah. C'est moi, okay. Allah. Ok. Alors, laisse-moi finir.
Et maintenant, au verset 5, la lumière va répondre. Ah là 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 là. Il répondit, la lumière répond. Qui es-tu? Plutôt, Paul répond à la question. Qui es-tu? Et le Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia! La lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci. Le ciel et la terre. Merci. Ça, Abdul Mali ne peut pas dire le contraire. Mm-hmm. Ni Diané, ni je ne sais pas qui. Voilà la lumière là. La okay. Vraie lumière, c'est bel et bien Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. On va prendre les auditeurs qui vont réagir. Ils attendaient très longtemps. Et maintenant, les compteurs vont commencer pour les écouter et chacun peut noter les questions que les auditeurs vont vous poser pour après, pour que vous puissiez les répondre, car ils sont très importants. Les auditeurs, c'est grâce à eux qu'on fait ce débat. On les écoute. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur Amtro TV. Bonsoir à vous. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Oui, je m'appelle Diakité Yakouba. Je suis en France, précisément. Mmh. J'ai une seule question à poser à passer, c'est le lion ou quoi? Oui. Mais je voulais juste lui poser une question. Il a dit que non, Jésus-Christ est Dieu. Mm-hmm. Maintenant, je voulais qu'il me dise que avant que Jésus-Christ va venir au monde, il y a un ange qui est venu annoncer à Marie qu'il doit mettre un fils au monde. Mm-hmm. Maintenant, le l'ange qui est venu là, c'est Jésus qui l'a envoyé. Waouh, ben c'est je ne sais pas, qui a envoyé ce linge-là? Si c'est Jésus qui l'a envoyé ou c'est un Dieu qui a envoyé ce linge. Maintenant, le linge est venu donner une commission à Marie, qui doit mettre un fils au monde. Ce fils-là, qui il est? Ok. Voilà, c'est ma alors, question. Ok, merci beaucoup. Monsieur Le Lion, vous allez noter cette question et après, on va prendre quelques auditeurs. Et chacun aura la réponse. Mais il faut qu'on réponde en même temps. Pour gagner du temps, parce qu'il faudrait qu'on n'a pas assez de temps maintenant. On va écouter les auditeurs. Notez chacun les questions là pour les auditeurs. On va passer par la deuxième personne. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? J'espère que je vais bien. J'espère que vous aussi. Oui. Moi, ma question, j'appelle du côté de la France. Ok, c'est quoi votre nom? C'est Diakité Ibrahim. Diakité Ibrahim. On vous écoute, monsieur Diakité. Oui. Moi, j'ai deux questions à poser aux chrétiens. Ben, ils disent que Jésus est Dieu parce que il est un enfant pur. Il n'est pas né d'un père. Et qui est Adam pour ces gens-là? Qui n'a ni papa ni maman. Et la deuxième question est. Allô? Oui, allô, on vous écoute, allez-y. Oui, la deuxième question est, et pourquoi Jésus a-t-il dit dans la Bible, je sais pas, Oustad Diané peut corriger si je me trompe, ne me touchez pas, je ne suis pas encore monté vers mon père qui est votre père. Et qui est ce père-là? Il dit, mon père qui est votre père. Et qui est ce père-là? Et Jésus qui dit, je ne suis pas encore monté vers mon père, qui est votre père, vers mon Seigneur qui est votre Seigneur. Et qui est ce père-là et qui est ce Seigneur-là? Merci et bonne soirée à vous. Merci à vous et restez connectés pour la réponse. On va enchaîner avec la troisième personne parce que là, on ne prend pas beaucoup de personnes. Mais au moins cinq personnes qui vont vous poser des questions et après, on vous donne le temps. Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur M3TV. Oui, bonsoir à vous. Et comment vous appelez? C'est Sylla. Ok, monsieur Sylla. Moi, j'appelle de la France. Monsieur Sylla de la France, on vous écoute. Votre question. Oui, en fait, moi, je voulais que Lyon m'explique Apocalypse 3, le verset 12, qui me dit qui parle là-bas et la personne, il parle de qui. Apocalypse 3, verset 12. Monsieur Lyon, la question est à vous et vous pourrez répondre après. Merci quand même à vous et on vous invite de suivre la chaîne pour la réponse. Merci. Merci. Alors, il nous reste deux personnes pour terminer avec les auditeurs. Et si nous n'avons pas d'appel tout à l'heure, on pourra vous donner du temps. On a l'avant-dernière personne qui nous appelle. On va l'écouter. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Voilà, je m'appelle Khalifa Camara. J'appelle depuis Paris. Khalifa Camara, depuis Paris. On vous écoute, monsieur Camara. Voilà. Voilà, monsieur, donc ma question c'est pour monsieur Lyon. Monsieur Lyon encore, oui.
Oui, effectivement. C'est pour savoir quand on dit que Jésus est Dieu. Alors moi, je voudrais savoir quand Jésus était dans le ventre de sa mère, qui commandait l'univers en ce moment-là, puisqu'il était Dieu, il était dans le ventre de sa maman. Est-ce qu'il dirigeait le monde à partir de là-bas, ou bien il y avait un autre Dieu qui commandait le monde en ce moment? Donc c'est ça ma question pour M. Lyon. Ok, M. Lyon va bien noter cette question et on vous invite de regarder la chaîne pour la réponse. Merci quand même à vous. D'accord, ok, merci. On va prendre la dernière personne qui va poser cette dernière question avant de passer maintenant à nos invités. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour. Nous appelez depuis quel pays? Je m'appelle Michael, je suis de France. Michael, depuis la France. On vous écoute, votre question. Je voudrais poser une question à M. Oustaz Diané de la DDR. Ok, M. Oustaz Diané, vous pouvez noter. Allez-y, on vous écoute. Je voudrais savoir, en fait, selon lui, d'où vient Jésus? De son origine. Quand tu dis que Dieu l'a envoyé, mais Jésus a été envoyé d'où? La Bible, elle déclare que Jésus est de toute éternité. Prophétie de Osée, Jésus est de toute éternité. Ok. Et c'est ça. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est ça ma question en fait. Ok. Et Jésus lui dit lui-même qu'il a été envoyé, oui, mais qu'il vient du ciel. Ok. Alors, on vous invite de suivre la chaîne pour la réponse. Merci quand même de nous appeler. Merci de poser cette question. Oui, okay. Merci à vous. Ok, merci. Alors, on revient maintenant à vous, les invités. On commence par Oussa Diané. Vous avez une question qui sera à vous et les quatre autres questions seront à Monsieur Le Lion. Monsieur Le Lion, les téléspectateurs et les auditeurs vous écoutent. Quelles sont les réponses? Vous avez 7 minutes pour répondre les 4 questions. Allez-y, on vous écoute. Voilà, je vous remercie. Je remercie aussi comme les auditeurs qui ont posé la question, à savoir effectivement, par rapport à la question, ce qui était la préoccupation. Je bénis l'Éternel parce que ce soir, je crois qu'ils seront un peu nourris, mais je crois qu'il faut qu'ils aient l'esprit aussi ouvert pour comprendre les choses. Il ne faut pas qu'ils soient trop fanatiques et puis rester bloqués sur leur pensée à eux. Alors, il y a une personne qui me pose la question à savoir qui a envoyé l'ange qui est venu voir, qui est venu annoncer la nouvelle à Marie et quel était le nom de ce Dieu-là. C'est ça, non? Oui, tout à fait. Allez-y, on vous écoute. Voilà. Alors, donc là, je réponds tout de suite que le Dieu dont nous parlons aujourd'hui, là, ce n'est pas un Dieu que vous imaginez qui était un costaud monsieur Gaïa, parce qu'on dit, les musulmans disent que Allah est beau, Allah est grand. Donc, eux, ils pensent que c'est un monsieur qui est costaud, qui est robuste, qui remplit tout le ciel. On dit Allah est grand déjà parce que c'est pas sa puissance, c'est son pouvoir. Voilà. Et Allah, c'est qui? Allah, c'est la vie. Et Allah, c'est qui? Quand je dis Allah, je veux parler de Dieu. Hein? Voilà. Donc, Dieu, c'est qui? C'est quoi Dieu d'abord? Dieu, c'est l'esprit. Dieu, c'est la vie. D'accord? Voilà. Donc, ici, il me demande quel est ce Dieu qui a envoyé l'ange. Déjà, Matthieu 23, 34 est très clair. Jésus-Christ dit que c'est lui. Il dit, moi, Jésus. Ouais, plutôt, Apocalypse 22, 16 dit ceci. Jésus-Christ dit que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Voilà. Donc, Dieu qui a envoyé l'ange là, ce n'est pas le corps Jésus. C'est l'esprit qui est en Jésus. Comme le dit Jean 1, 1, jusqu'au verset 14. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de tout ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et tout ce qui a été créé par la parole. Et au verset 14, cette parole-là a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Donc, cette parole-là a été faite chair parce que c'est l'esprit créateur qui est la parole qui a fait venir la chair. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, là, à la base, là, il est esprit. Matthieu 1, 18 à 20. L'ange est venu voir Joseph pour lui dire, ne crains point Joseph, prends Marie ta femme, l'enfant que Marie a,
a conçu là, vient du Saint-Esprit. L'enfant là ne vient pas de Marie. L'enfant vient de l'Esprit. Donc quand on parle de Dieu, nous les chrétiens, on ne parle pas du corps, on parle de l'Esprit qui est dans le corps. Alors donc, l'Esprit qui est dans le corps, il peut être ici la terre, et il peut être aussi dans les cieux et partout, parce qu'il est omniprésent. Alors, Jean 3, 13. Il faut lire Jean 3, 13, tu vas comprendre. Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel si c'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est dans les cieux, alors qu'il parlait, il était sur la terre. Il est omniprésent, omniprésent, omnipotent. D'accord? Voilà. Donc la réponse, elle est déjà très claire. Jésus, à la fois, il est sur la terre et il peut être aussi en même temps partout parce que c'est l'Esprit là qui est Dieu. L'Esprit qui est en lui là. Il gère le corps et en même temps, il gère tout dans le ciel et partout dans le monde. C'est lui, le Tout-Puissant et l'Alpha et l'Oméga. Voilà. Maintenant, quelqu'un me dit, qui est Adam? Qui n'a ni père, ni mère, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il, je ne sais même pas. Adam, là, il est fait de la poussière de la terre. On ne peut même pas le comparer à Jésus. Il n'a ni mère, ni père, parce qu'il a été créé, c'est une créature de Dieu. Or, Jésus-Christ, là, c'est lui le créateur de toutes choses. Ce n'est pas le corps, je le répète encore, que tous les musulmans écoutent très bien ce que je dis aujourd'hui, là. Nous, les chrétiens, on ne parle pas du corps. Le corps est une apparence. Le corps est venu pour avoir du sang pour faire le rachat. Mais qui gère le corps? Le Père qui l'a envoyé là, il était où? Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, là, je pose la question à ce monsieur là. Pendant que Jésus-Christ était sur la terre, le Père qui l'a envoyé là, il était où? Et je réponds, c'est une question rhétorique. Le Père qui a envoyé Jésus-Christ là, il était en Jésus. Jean 14, verset 8 à 10, on va le lire. Jean 14, verset 8 à 10. On va le lire ensemble, vous allez mieux comprendre de qui il s'agit. Depuis fort longtemps, vous parlez du corps, du corps, du corps, du corps, du corps. On vous parle de l'esprit qui est à l'intérieur, vous parlez de... Les musulmans vous ont flatté, hein? Ils vous ont blagué même. Voilà. Voici un disciple de Jésus-Christ. Je vais faire la lecture. Jean 14, verset 8 et suite. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. C'est celui-là qui a envoyé, c'est le Père qui a envoyé l'ange là. Et c'est le Père là qui a créé Adam là, de la poussière de la terre. D'accord? Donc, le Père dont parle ici Philippe, qui veut voir, c'est l'Esprit éternel, tout feu, tout flamme, qui s'est dépouillé de sa gloire. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Et je poursuis au verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu là, il a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu l'Esprit qui est en moi là. Parce que l'Esprit qui est en moi là, c'est de lui que je viens et c'est lui que je représente par rapport à l'image que vous me voyez là. Parce que à la base, je suis Esprit. Parce que la Bible dit que, Jean 3, verset 6 dit que, ce qui est né de chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Puisque Jésus-Christ, il vient et il a été conçu par le Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même, alors Jésus-Christ aussi, il est esprit. Merci. Alors, une dernière question. Nous avons une personne qui insiste de poser cette question. On va l'écouter. Oussa Diane, avant que vous répondez à la question, on va écouter. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel pays? Je vous appelle de la Belgique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ouais. J'ai une question à poser aux frères chrétiens. Parce que j'aimerais vraiment savoir, comme il parle de Isa alayhi salat wa salam, soi-disant qu'il est Dieu, Dieu. Voilà, moi je comprends pas. Celui qui se dit Dieu, Dieu, pourquoi lui, il va sur la colline, il se prosterne, il demande Dieu. C'est quel Dieu il est allé demander, quel Dieu sur la colline, ou aller prier quel Dieu sur la colline? Donc ma question, elle est telle sur nos frères chrétiens, Inch'Allah. Alors merci à vous. Et maintenant, on va, qui va répondre parmi vous pour dans... On moi, vous donne une minute, allez-y, une minute. Non, pour
Allez-y. Il a eu 7 minutes. Moi, ma batterie va se décharger dans deux. Oui, il a juste une minute là, frère, il va répondre. Oui, allez-y, Monsieur Lyon. Voilà encore pour une dernière fois, on va encore reprendre encore les mêmes trucs qu'on a toujours répétés. Il dit que Jésus-Christ de Nazareth est allé sur une colline pour aller prier Dieu. Je répète encore, Dieu dont on parle là, par rapport à Jésus-Christ, ce n'est pas le corps. Parce que on le parle, on le dit, mais on dit que nos frères ne comprennent pas. Jésus là, il vient de l'esprit. Il dit dans Jean 16, 28, c'est du Père que je sors. Alléluia. Donc, ça veut dire que on voit le corps, mais ce n'est pas le corps qui nous intéresse. Parce que dans Jean 6, 63, il dit, le corps ne sert à rien, mais l'esprit est plus important. Et nos frères musulmans sont aussi regardés le corps. Ils regardent le corps, ils bichonnent le corps, ils lavent le corps, ils nettoient le corps. Alors, c'est le corps qui est l'image de Dieu invisible qui est à l'intérieur du corps, c'est lui qui va prier sur la montagne. Puisque le corps a été engendré. La Bible est claire, c'est le corps qui a été engendré. Or, le Père engendre et la Mère enfante. C'est ce qui est clair. Moi, je viens de mon Père. Toi aussi, tu viens de ton Père. C'est le Père qui donne la semence de vie. Mais qui a donné la semence de vie du corps de Jésus? C'est l'Esprit de Dieu. Donc, automatiquement, lui aussi, l'Esprit manifesté en chair. Donc, c'est la chair qui prie l'Esprit qui est à l'intérieur de lui, tout simplement. Ok, merci. Merci. Merci à vous, Oussa Diané. Maintenant, à vous, la réponse de la question de notre auditeur. On vous écoute, Oussa Diané. Oussa Diané. Allô, Oussa Diané, est-ce qu'il est là, Oussa Diané? Allô, Oussa Diané, est-ce que vous nous entendez, Oussa Diané? Oussa Diané? Allô? Ah là, nous avons quelques soucis avec Oussa Diané. Je pense que... Oussa Diané, est-ce qu'il est là, Oussa Diané? Oussa Diané? Allô? Il est en retard. Il est en retard. Oui, peut-être que son micro est coupé, non? Oui, son micro peut-être coupé. Faut voir son micro. on ne sait pas qu'est-ce qui se passe du côté de Oussa Diané. Est-ce que Oussa Diané nous entend? Est-ce qu'il nous écoute? Moi, je pense pas. Hein. Ah, la connexion a dû laisser Oussa Diané. Mais on va maintenant mettre peut-être à la fin de Oussa Diané, Monsieur Yawasap. À vous, un mot de conclusion avant de terminer cette émission. Quelle conclusion avez-vous à nous partager? Ok, bon, en conclusion, je vous remercie de m'avoir invité. Hein. Et je vous souhaite juste je veux dire merci à mes frères chrétiens aussi et mes frères musulmans qui ont participé au débat. Et je vais vous citer pour terminer Luc chapitre 13, versets 22 à 30. Yeshua, donc Jésus, traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il vous répondra, « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il répondra, « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Shalom à vous mes frères israélites
et se rattacher à la maison d'Israël, et aux étrangers qui se rattachent à la maison d'Israël. Shalom à mes frères musulmans et shalom à mes frères chrétiens. Que la paix soit sur vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et monsieur Jean, à vous, un mot de conclusion pour terminer cette émission. Ouais. Un mot de conclusion déjà. Merci à notre frère israélite. Merci à mon frère le lion. Même si il a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, mais bon, ce n'est pas grave. Et à mon frère Oustas Diané. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de confusions qui sont faites sur la Trinité. Le frère confond le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il confond le Père et le Fils. Mais ce n'est pas grave. Si vous voulez un jour peut-être organiser un débat entre lui et moi, et puis un autre débat entre Oustas Diané, et puis voilà, pour pouvoir clarifier les choses, parce que j'espérais vraiment dans ce débat avoir en face de moi Oustas Diané. Malheureusement, bon, il fallait partager la parole, puis j'ai des soucis de connexion. Prochainement, je crois que ça va pas se répéter. Voilà, ce que je peux dire vraiment, c'est que voilà, le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur Jésus est vraiment Dieu. Il est vrai homme et vrai Dieu. Et tantôt, il parle comme en qualité d'homme. C'est ça, il dit que le Père est plus grand que moi et qu'il ne connaît pas ni le jour ni l'heure de la fin parce que c'est un homme. Et tantôt, il parle en tant que Dieu lorsqu'il pardonne les péchés, lorsqu'il dit « j'accorde la vie éternelle ». Dieu se peut accorder la vie éternelle. Voilà. En tout cas, merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les auditeurs de votre télévision. Et vous bénisse également Sam, en tout cas, voilà. Que l'Esprit s'éclaire tout le monde. Merci. Ah, merci beaucoup à vous. Et comme vous l'avez dit, on va essayer de revoir encore pour une deuxième partie de cette émission qui sera organisée. Et l'emploi sera partagé à vous. Et ça vous permettra de mieux vous préparer. Alors, à vous, monsieur Le Lion. Oussa Diané, on va laisser Oussa Diané parce qu'on a un problème de connexion depuis la Côte d'Ivoire. Il va répondre vite à la question et faire un mot de conclusion. Oussa Diané, à vous l'antenne. Oui, Oussa Diané, allez-y, on vous écoute. Hein. Oussa Diané, allez-y, ouais, on vous écoute. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oussa Diané. Allô, Oussa Diané, on vous entend. Est-ce que vous nous entendez, Oussa Diané? Alors là, je serai obligé de faire passer Oussa Diané par téléphone et je vais essayer de voir. Et est-ce qu'il pourra répondre par téléphone? Oussa Diané, on va vous mettre en direct. Vous allez répondre par téléphone aux auditeurs pour faire un mot de conclusion à nos invités. Allez-y, on vous écoute, Oussa Diané. D'accord, il n'y a pas de problème. Je dis merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Et je pense qu'on a suivi l'émission depuis le début hein, jusqu'à maintenant. Ça fait près de 2 heures du temps qu'on a fait l'émission. Vous n'avez entendu aucun verset de la bouche des frères chrétiens qui étaient en train de se battre. Cela prouve même que l'islam est vrai, parce que le lion est d'accord que, c'est-à-dire, il refute que Dieu ne peut pas avoir une maman. Et ça, c'est clair. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas parce que je suis musulman que je le soutiens. Non, je ne le soutiens personne. Mais Dieu peut pas avoir une maman. Jean Ouassa dit oui, Dieu a une maman. Mais en même temps qu'il dit Dieu a une maman, il est d'accord que maman Marie n'a pas existé avant Dieu. C'est quelle confusion, ça. Mais le frère, le lion, on lui a posé la question, c'est quel Dieu qui a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus-Christ? C'est-à-dire que la bonne foi, on l'a voulu dire, c'est-à-dire il lit le texte de la Bible, mais lui n'a fait que donner son interprétation. Les frères ont posé la question, quel est ce Dieu qui a envoyé l'ange Gabriel? Mais la Bible dit, Dieu a envoyé Gabriel au 6e mois. Tu dis non, c'est la chair, c'est là, il était dans un fourreau. Ça, c'est ton idée, c'est ce qui passe dans ta tête, mon frère. Et c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, j'ai dit à l'homme d'Ilila, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce qu'il allait prouver, c'est-à-dire il allait donner un verset clair. Notre frère, hein, qui a été catholique pendant un bon moment, mais il a donné tous les versets clairs. On demande, Jésus monte quel vers Dieu? Vers quel Dieu? Tu vas dire non, c'était la chair. Oh, la Bible dit il monte vers son Dieu. Hein. Mais toi, tu dis non, c'était la chair, c'était un esprit, c'était ceci, cela. Mais c'est pas ce que la Bible dit. L'Apocalypse 22, je crois 18 dit, n'ajoutez rien ni retranchez rien. Tous ceux qui vont ajouter ou retrancher, Dieu va abattre sa malédiction sur eux. Mais pourquoi tu retranches? Pourquoi tu ajoutes ce qui n'est pas dedans? Jean 17, 3, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul, toi.
toi le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit moi. Toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu dis non, la vie éternelle veut dire quoi? La vie, tu veux faire philosophie à nous. Ça passe pas. Si vous aviez donné un seul verset noir sur blanc, Jésus-Christ dit, je suis Dieu, c'est fini. Débat est clos. Mais un verset de la Bible, peut-être qui n'a jamais vu, je vais donner ça en cadeau à le lion. Si on lui demande où est-ce que Jésus-Christ a dit, je suis Dieu, il n'a qu'à donner ce verset-là, mais ça ne peut pas prouver que Jésus-Christ est Dieu. Jean 13, verset 13. Jésus-Christ dit, vous m'appelez maître et seigneur, vous le faites bien, car je le suis. Tu as vu le mot, il dit, je le suis. Vous m'appelez maître et seigneur. Si quelqu'un utilise ça, ils vont dire non, ça veut dire qu'il est Dieu, parce qu'il a dit, vous m'appelez maître, et puis vous m'appelez aussi seigneur. Oui, vous le faites bien, car je le suis. Ça veut dire, il confirme, je le suis. Mais pourquoi ce mot-là, il n'a pas dit, par exemple, je suis Dieu? Mais si quelqu'un touche ça, il a dit, je suis Seigneur, je le suis, on l'a allumé avec le Seigneur d'Abraham, dans Genèse chapitre 18, versets 11 à 13. Sarah dit à Abraham, mon Seigneur aussi est vieux, parce que le mot Seigneur dans la Bible attribué à un homme ne fait pas de lui une divinité. Je dis merci beaucoup à Amtro TV, le média. Je dis merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Jean Ouassa, qui est quelqu'un que je connais par les réseaux sociaux. Le lion de la tribu, je le connais également. Ça fait peut-être la troisième fois que nous débattons. On débat, mais on n'est pas d'accord. Mais que les auditeurs sachent que cela fait pas de nous des ennemis. On reste des amis parce qu'en dehors de l'antenne, Jean Ouassa et moi, on échange souvent. Le lion, on s'appelle tous les jours, même pendant leur fête. Il m'a appelé pour me souhaiter bonne fête. Je lui ai dit non, moi, on me souhaite pas bonne fête. Mais il a dit non, c'est de façon amicale qu'il le fait. Donc, voilà un peu. J'ai dit également le frère qui est ancré dans le judaïsme. Je pense qu'il n'est pas loin d'être musulman. Voilà, c'était la DDR. Nous venons de Bamako très fatigués, mais quand chaque fois qu'Amtro TV a besoin de nous, nous serons là, Inch'Allah, pour parler de la parole d'Allah. Salam alaikum à tous. Merci, wa alaikum salam. Merci à Oussa Diané. Merci de prendre tout le temps de 2 minutes. Merci à tous. On va maintenant terminer avec Monsieur Le Lion. Monsieur Le Lion, votre mot de conclusion, et après on termine cette émission. On vous écoute. Déjà, je remercie tous ceux qui étaient connectés pour effectivement suivre comme on appelle ce débat. Nous sommes tous des frères, d'accord. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur certains sujets, c'est vrai, mais néanmoins, j'aimerais quand même dire que il y a que Dieu seul qui pourra nous aider à comprendre sa parole. Voilà. Donc, par rapport à tout ce qui a été dit ici, je crois que mon frère Diané en train de faire une fuite en avant, ou bien en train de berner un peu, vous voyez un peu la conscience des gens qui ont écouté, et ils veulent leur donner une image pour que eux-mêmes ils puissent lui donner crédit, alors qu'ils ont bien écouté et ils ont bien compris par eux-mêmes, et ils doivent déduire par eux-mêmes, d'accord. Donc je remercie ici déjà mon frère Jean, et je remercie aussi le frère israélien et mon frère Diané. Et sans oublier aussi, Antrotini. Et je remercie tout le monde. Mais néanmoins, je crois que ce qui a été dit là est très utile et très important dans tout ce que j'ai sorti comme question et que j'ai sorti comme démonstration. C'est Jésus-Christ qui envoie les prophètes. C'est lui, Dieu, qui envoie les prophètes. Donc c'est lui qui a envoyé Mohammed les prophètes. Donc Jésus-Christ, il est Dieu. On ne peut pas être Dieu. On ne peut pas envoyer les prophètes sans être Dieu. Ce n'est pas possible. Et Diané, il rentre dans les versets, il dit oui, non, machin, et telle personne a fait ceci, telle personne a fait ceci. Est-ce que ceux-là, ils peuvent pardonner les péchés? Quand il prend il fait la comparaison avec les autres, là, comme Jésus-Christ, là, est-ce qu'eux, ils peuvent pardonner les péchés? Est-ce qu'eux, ils peuvent ressusciter les morts? Tous ceux que tu compares à Jésus-Christ, là, ils ne peuvent pas pardonner les péchés, ils ne peuvent pas envoyer les anges, ils ne peuvent pas envoyer les prophètes, ils ne peuvent rien faire. Il ne faut pas comparer Jésus-Christ à un être humain. Ce n'est pas possible. Okay. Donc, voici pour finir. Voici un verset du Coran qui prouve que Jésus-Christ est Dieu. La sourate 3, 45, qui dit ceci. Rappelle-toi, quand les anges disent, « Oh Marie, voilà que Allah t'annonce une parole de sa part. Et son nom sera, le nom de la parole sera Al-Masih. Le nom de la parole de Allah est le Messie, le Sauveur. » Alors que Esaïe 43, verset 11, 12, dit que il n'y a que Dieu seul qui sauve. Et je poursuis encore. Issa, fils de Marie, illustre ici-bas sur terre. Dis ça, il est glorieux ici-bas sur terre. C'est le Coran qui dit ça.
Merci. Le débat est terminé. Le débat est terminé. Le Coran dit que Jésus-Christ, il est illustre ici par cette terre et dans l'au-delà. Il est glorieux. Merci à tous. Merci. Dieu. Soyez tous bénis. Je vous remercie. Et que Dieu nous merci à tous. Merci à tous. On va. Soyez bénis. Une seconde. Oui. Israélite et pas israélien. Ok, ok. Israélite et pas israélien. D'accord, israélite, okay. S'il te plaît. Excuse-moi, voilà. T'as pour moi, frère. Israélite, okay, merci, s'il te plaît. Merci à tous. La deuxième partie de cette émission sera programmée bientôt. Et vous aurez la date de la deuxième partie. Et remerciez-moi à tous nos auditeurs qui ont pris le temps de nous suivre pendant 2 heures. Ça n'a pas été facile quand même. Hein. Mais c'est pour béni. Dieu. Alors, merci à tous d'être là. Shalom, salam alaykoum. Allez, shalom. Que Dieu vous protège tous. Et que au revoir. Merci. We'll be right back.